Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau live de la night sur Red Dead Online. Enfin, un live gameplay, ça faisait longtemps, un dernier live, on l'était plus sur du débat, sur de la discussion, c'était parti en sucette, je vous passe les détails. En tout cas, normalement, la webcam va tenir la route aujourd'hui, s'il y a un problème, vous me le rappellerez bien évidemment, je compte sur vous dans le chat. Quoi qu'il en soit, ça fait plaisir de vous retrouver en ce début de week-end, en espérant que vous ayez passé une bonne semaine, hein, pourquoi pas, et que vous passerez un excellent week-end, je vous le souhaite de toute façon. Alors, assez compliqué le lancement de live en ce moment, hein, vous en doutez, hop. Je vais juste rafraîchir mon chat histoire d'avoir... hop. On va faire comme ça. Voilà, on est bien. On est parfait. Normalement, tout va bien. Vous me dites s'il y a un souci. Est-ce que le volume est bon? On va checker le volume. Allez, on vérifie tout. On vérifie tout. Ah, non. Si, le volume est bon. Normalement, ça devrait être bon. Les gars, j'ai peur. Les débuts de live, on sait que ça dégénère très vite. Donc, je vérifie. S'il y a un problème, vous me le direz. Edouard Garcia qui est arrivé en premier, que je salue en priorité, évidemment. Bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Dawson qui nous rejoint, salut à toi. Wartonic qui m'a corrigé. Tu voulais pas écrire améliorer? Oui, je voulais écrire améliore, mais c'est vrai que comme j'étais un peu speed en fin de journée, voilà. Faute de frappe, vous savez ce que c'est. Monsieur Didier que je salue, bonsoir à toi, merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Le hors-la-loi qui nous rejoint, oh là, le Prums, il se tire la bourre, lui-même sait avec qui. Mathis que je salue qui est avec nous. Quoi, EXE, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Pat, bonsoir, yo à toi, hein. Claire Le Maire qui nous rejoint, donc bonsoir à toi aussi. J'adore qu'elle est tranquille en train de terminer de manger. Voilà, ouais, on a fini de manger tard. Merci, monsieur Didier. Je compte sur vous, les gars, pour me rappeler alors s'il y a des petites erreurs. Navi, que je salue aussi. Bonsoir à toi, très aimablement. Et MW, Team Span, je suis trop content si tu me rep. Mais avec plaisir, je te rep, il n'y a pas de raison, mon ami. Donc, bonsoir à toi, en espérant que tu passeras un bon moment avec nous. Je suis stressé, les gars, je suis stressé en ce moment. Écoutez, rappelez-vous, le dernier live en date, justement, on débattait autour de Rockstar, du GTA+, etc. Et c'est vrai que j'avais eu envie de lancer un peu de gameplay, puisque, rappelez-vous, au mois de mars, sur Red Dead Online, on avait des bonus autour du chasseur de primes, de quoi farmer et, pour un nouveau joueur, pourquoi pas, récupérer tout un tas de ressources, dont des dollars, un peu d'or en passant, et pourquoi pas de l'XP, histoire de faire progresser notre personnage. On n'a pas eu l'occasion de faire ça en direct, en tout cas très peu, ce qui veut dire qu'on va devoir se rattraper avec les bonus de ce mois-ci, qui sont plutôt léger, je vous avouerai que j'en ai fait Newswire cette semaine, mais j'ai déjà oublié la plupart des trucs. Autant vous dire, c'était pas super intéressant. Et donc, vous voyez que je meuble en attendant que les copains arrivent. Mais on va se relancer très rapidement. Alors, hop, je prends ma manette. On va lancer ça tranquille, je vous l'ai dit. Moi, je viens tout juste de manger. Il faut savoir que je me suis mis à table. Alors, pour certains d'entre vous, 20h, c'est une bonne horaire pour se mettre à table. Moi, je mange plutôt soit avant, soit bien après, pour le coup. Et donc, ce qui explique que je suis un peu de spi. Edouard Garcia, un honneur d'être salué par le youtubeur qui m'a tout appris maintenant après 2 mois de jeu intensif. Je suis level 163 et j'ai tous les métiers au max. Ben, j'ai envie de te dire, je pense que tu es débrouillard sans moi. Donc, je te félicite parce que en 2 mois, l'air de rien, c'est que tu as dû pas mal jouer, j'imagine, quand tu me dis intensif. Et pour le coup, ben, c'est saluable. Merci de continuer à faire vivre le jeu, puisque l'air de rien, c'est vrai que ça va, ça vient, pas trop en ce moment. On va faire en sorte que ça aille quand même. Kelevra, salut bande de gens, what's up Kaz, what's up homie Kelevra. Écoute, ça va très bien, on a passé une bonne semaine. Donc pour le coup, on va se détendre avec notre nouvel ami Francisco Corazon, évidemment. Et je salue aussi Pixiez, qui salue la team aussi. Alors, petit problème de webcam, mais on s'en doutait. Il y a des petits problèmes de webcam. Vous en faites pas, voilà, on sait comment ça fonctionne, hop, on va passer sur cet écran, on est tranquille, on va faire comme ça, ça vous permettra de voir un peu les jeux sur lesquels je suis en ce moment, hein. Alors, il y a du Anthem, il y a du Elden Ring, il y a du Red Dead, il y a celui-ci que j'ai toujours pas testé, c'est un des jeux offerts au mois d'avril, dont j'aimerais bien faire une vidéo découverte. On a aussi For Honor, dont j'ai fait une vidéo sur la dernière mise à jour. Pourquoi pas, et voilà. Et GTA sur lequel il faut que je retourne. Mais bon, on verra. Je vais essayer de régler les histoires de caméra. Malheureusement, voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, je sais pas. Hein. Pourtant, j'ai mis à jour mon OBS, etc. Mais voilà. Des fois, ça veut pas. Des fois, il veut pas. En plus, le freeze frame,
Juste magnifique. On va juste faire hop, comme si, comme ça. On va régler ça. Hop, au calma. Voilà. On a les avantages aussi Prime Gaming, justement. Voilà, qu'on pourra revoir évidemment. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, on va juste faire hop, comme ça, comme ça, comme ça. On est bon. Et nous, on va passer directement à ce qui nous intéresse. Puisque. Alors, je vais faire comme ça. Hop, voilà. On va se mettre ici. Je vais mettre ça ici. Vous m'en voudrez pas, les gars, hein, par rapport à la webcam. Je vous jure, hein, je fais tout. Pourtant, je respecte mon matériel. Je vide la mémoire. Je fais ce qu'il faut. Mais. Tu joues à Black Desert, il me semble. Alors, je l'ai lancé. Je vais te raconter l'histoire de Black Desert Online. Je fais juste comme ça. Hop. On va mettre cette page. Black Desert Online, je me le suis fait offrir. Je me le suis fait offrir par. Hop, pardon. Ambiance, elle est censée être. Oh, petit problème technique. Voilà, ça arrive. Est-ce que je fais comme ça? Non. Non. Je suis en train de checker, je suis en train de checker, je suis en train de checker. Capture de fenêtre, PS5 à la limite. Allez, on va faire comme ça. Attendez, on va laisser ça comme ça. Juste régler un petit problème. Alors, Black Desert Online, en passant, j'ai un petit. Voilà, comme ça, voilà. J'ai un petit souci avec Black Desert Online, puisqu'on me l'a offert, je vous le disais. Et le truc, c'est que. Je sais pas, je sais pas s'il est mal optimisé ou si c'est mon ordinateur qui a un problème, mais déjà j'ai eu du mal à connecter ma manette pour jouer à la manette sur PC. Malheureusement, je suis un joueur manette, donc beaucoup de mal à jouer autrement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je vous le disais, il saccade, donc j'arrive pas à jouer, et il rend fou le jeu, j'ai rien pigé. Donc pour le coup, en attendant qu'ils soient un peu mieux optimisés, je l'ai mis de côté, mais effectivement, j'ai lancé cette semaine sur mon Steam, pour le coup. Et d'autant plus que c'est un jeu auquel j'avais envie de jouer depuis un moment, ce qui est un peu dommage. Mais bon. Alors juste checker, là on est bon. Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà. On est pas mal. On est bon. Normalement, on est bon. On croise les doigts, les gars. On croise les doigts pour que ce soit bon. Hop. Ok. Hop. Alors, je me posais la question de ce que j'allais faire ce soir sur Red Dead Online, histoire d'optimiser un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc, je me suis fait un petit programme, je l'ai sur le téléphone, mais de tête, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va s'acheter une nouvelle selle. Parce que autant le cheval que j'ai acheté avec Francis est plutôt pas mal, en attendant que j'augmente ses stats d'affinité, mais derrière, je me suis rendu compte qu'une selle de bonne qualité faisait toute la différence. Donc, on va se procurer une selle, c'est ce qu'on va faire pendant cet épisode. J'ai une ou deux cartes au trésor qui traînent. Je crois que j'ai dépassé un certain niveau qui me permettra d'acheter, de débloquer une nouvelle carte de compétence pour améliorer mon build. Et derrière, pourquoi pas se lancer une petite mission Telegram. Ça faisait longtemps, mais on tâchera de faire ça en croisant les doigts. Alors, j'en profite pour saluer. Je reviendrai sur Kelevra tout à l'heure. Hop. Je salue le loup qui est arrivé. Donc, bonsoir à toi, le loup. Merci d'être avec nous. Désolé, je ne sais pas si je reviendrai. Bonne soirée à vous. Pas de souci, monsieur Didier. Voilà. Je sais que voilà, moi, c'est de l'impro un peu les lives. Donc, merci quand même d'être passé dire coucou. Et au plaisir, je te souhaite une excellente fin de soirée en espérant que tu puisses repasser un peu plus tard. Je salue d'ailleurs Thomas qui prend ta place. Voilà. Il y a Monsieur Didier qui bouge, il y a Thomas qui arrive. Ça va. Vous équilibrez entre vous. À qui je souhaite le bonsoir, évidemment. Koleski qui nous rejoint. Koleski, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Toujours un plaisir de pouvoir suivre un live le samedi soir sans boulot, justement. En plus, j'ai appris que c'était les vacances dans quelques régions, dont la mienne. Donc pour ceux qui sont en cours et qui sont en vacances, bonnes vacances à vous.
En tout cas, Koleski, grand plaisir de te revoir parmi nous. J'ai pas de problème d'opti perso. Alors qu'il est vrai, je sais pas toi si tu, comment dire, si tu personnalises les particularités graphiques de tes jeux PC. Moi, pour le coup, généralement, ça se fait automatiquement. Mais là, j'ai pas de problème avec Red Dead, j'ai pas de problème avec GTA, j'ai pas de problème avec la grosse majorité des jeux PC auxquels je joue. Mais là, je sais pas. Et en plus, je te dis la vérité, il est tellement complet ce jeu. Hein, on parle de Black Desert Online. Que je savais plus quoi faire en fait. Je suis arrivé, fait si, là, il y a une petite bestiole noire qui vient de parler. C'était une histoire de. Bah, laisse tomber. Laisse tomber. Ce que je vais faire, hop, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop, je vais faire comme si. Et je vais réouvrir comme ça. Édouard Garcia, sinon petite question, quels sont tes rôles préférés? Fais-nous ton top 3. Top 3, tout simplement, ça va être marchand, distillateur, chasseur de primes. Voilà. Alors je pourrais dire marchand et naturaliste, parce que le marchand et le naturaliste sont censés aller ensemble. Mais sans le rôle de marchand, le rôle de naturaliste, pour moi, hein, n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, hormis le fait de découvrir le truc. Une fois que tu l'as découvert, voilà, tu vas t'endors de trois animaux. Pas forcément de trop d'intérêt, même si voilà, c'est quand même un délire de faire des tracks d'animaux légendaires, etc. Loup Blanc, bonsoir à toi, ravi de te revoir, Boto, ben, ravi de te revoir aussi, ça fait plaisir. Surtout, je vois la tête de Gérald, frère. Comment ne pas avoir le sourire, je vais te dire. Mes os étaient vendus et du coup, j'ai perdu mon compte. Oui, le jeu a l'air le jeu a l'air fou, hein, vraiment. Mais j'ai hâte déjà d'avoir le temps de pouvoir persister dessus et ensuite. Voir si je peux pas, pourquoi pas, personnaliser l'aspect graphique, histoire d'améliorer l'expérience. Je croise les doigts. Parce qu'on me l'a offert à condition que j'en fasse du contenu. Donc, je vais passer à un moment ou à un autre. Mais je préfère faire ça dans des conditions correctes, que je puisse être, j'allais dire, être objectif, mais en tout cas, être dans les meilleures conditions possibles pour juger de si le jeu est bon et si je vous le conseille. Kacheshana qui nous rejoint, coucou, le petit like de passage. Salut tout le monde. Salut à toi, merci d'être venu. Kacheshana. Que je suis sur Instagram parce que c'est quelqu'un qui a la main verte et qui voilà qui fait pousser des légumes, des fruits et qui a l'air d'être passionné par ça. Donc l'occasion de te le dire une nouvelle fois parce que je crois que je l'avais déjà dit. Mais voilà, je respecte moi ce type d'activité. Donc pour le coup, ça fait plaisir de voir les petites photos que tu balances une fois de temps en temps. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais là, voilà, on va lancer ça. Normalement, à ce niveau-là, on est bon. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Normalement, on devrait pouvoir être parti. Trop fort le son du jeu. Voilà. Merci pour la correction. En fait, le son du jeu, il faut savoir que c'est le son qui sort dans le PC. Et vu que la semaine dernière, on avait fait une radio Casman, j'ai dû monter le son pour les voix du Discord. Effectivement, là, je l'ai descendu. Vous me direz si c'est pas trop faible ou s'il y a encore un problème, j'équilibrerai. J'aime bien quand vous êtes au taquet. J'aime bien le chasseur de primes, nous dit Loup Blanc. Collectionneur aussi, c'est pas mal, juste pour le plaisir de se balader. Oui, collectionneur, c'est quand même un rôle qui t'oblige et qui te permet, donc par la même occasion, de te balader au travers de la map. Et pour le coup, ça reste sympathique d'explorer des zones que tu n'explorerais pas ou peut-être plus parce que tu es concentré sur certaines activités. Et on peut passer sur cet écran. Voilà, enfin, c'est ce que vous vouliez voir. Big Momo, bonsoir à toi. Ça faisait longtemps que je t'ai pas vu, donc merci d'être avec nous encore une fois. Avec plaisir, Kacheshan, avec grand plaisir, véritablement. Hein. Voilà. Quand il y a des choses qui plaisent, on le dit. Et admirez-moi cette magnifique tenue. La tenue offerte ce mois-ci, dont j'ai fait une vidéo pour ceux qui voudraient la récupérer. C'est la tenue totalement gratuite offerte par Rockstar, qui fait carrément. Qui fait cow-boy, mais dans le vrai sens du terme. Dans la vraie définition, genre garçon d'écurie, tu vois. Ludmila Sinette, bonsoir à toi, merci d'être avec nous, je pense que c'est une des premières fois. Lucas, je sais pas, donc bonsoir à toi, merci d'être avec nous tous les deux. Pour le coup, bah c'est vrai que chasseur de primes, ça permet de faire du gold pour les joueurs, accéder au plus vite. Alors moi, Koleski, ce que j'aime bien dans le chasseur de primes, c'est le fait d'être chasseur de primes. J'aime bien le kiff
de traquer des bandits, etc. Et je pense que c'est le rôle qui permet le plus d'action aussi, tu vois. Ça fait 2 mois que Kelevra n'a pas lancé le jeu, tu m'étonnes. Mais je vous en veux pas, moi je sais que souvent j'ai des commentaires, surtout dernièrement, de personnes qui me disent « Ouais, mais Kazu, ah t'es courageux, tu continues à jouer à Red Dead ». Je comprends ceux qui n'ont plus la patience de jouer à Red Dead avec ben, ce qui est proposé en termes de contenu. Là, il n'y a pas de souci. Moi, je continue à jouer. Ben, d'une part, il ne faut pas oublier que je fais du contenu dessus. Donc au bout d'un moment, je peux pas faire du contenu sur le jeu si je n'y joue pas. Mais d'un autre côté, ce qui est marrant, c'est que les personnes qui me, pas reprochent, mais on va utiliser ce mot, de continuer à jouer à Red Dead, ne voient pas forcément le nombre de jeux auxquels je joue. Parce que si généralement je joue à 4 jeux, 4-5 jeux semaine, là en ce moment, je suis plus à 8-10 jeux semaine. Je teste genre 8 ou 10 jeux par semaine. J'en fais pas forcément des vidéos, mais je les teste pour l'occasion. Et donc voilà. Ça me permet d'y revenir plus sereinement en vérité sur Red Dead, tu vois. Nord 491, Master Shift, bonsoir à toi. Nord 491, bonsoir à toi. Luca, Xio, salut à toi. Ryan, salut, vous êtes arrivé en équipe. Ça fait plaisir de vous recevoir. Limite, je me suis senti comme un, tu vois, un physio à l'entrée d'une boîte. Les gars, vous êtes quatre. Bon, on avait dit pas de basket, mais je fais une exception ce soir. Allez, rentrez, mettez-vous à l'aise. Bienvenue à vous en tout cas. Là, je suis tout et tuto, je n'avais pas eu l'occasion encore d'aller sur ton direct. J'en fais très rarement, donc avec plaisir pour l'occasion, en espérant que ben, pour ceux qui découvrent le jeu grâce à mes, enfin pas grâce à mes vidéos, mais en parallèle qui suivent mes vidéos dans leur découverte, j'espère que ben, elles vous seront utiles, qu'elles vous sont peut-être utiles actuellement. Ok, ben, bon rétablissement. Bon rétablissement, je sais pas si je t'appelle Cash, je pense que Cash c'est toi et Shana ça doit être ta femme ou ta petite amie. Bon rétablissement, comme on dit chez nous, l'Aïchafik, en espérant que ce soit pas trop grave. À tes explications, c'est les doigts dans le nez. Mais avec plaisir, merci Ludmila. J'ai relancé Ark du coup, il faut que je lance Ark du coup. Je joue sur Xbox Series X, Nord. Bon, après, y a pas grand changement en vérité de gameplay entre les Xbox et les Play. Pas mal la tenue, nous dit Laure Lalois. Ouais, elle rend bien. Alors, on a des trucs plus classe, hein, mais voilà. J'ai envie de vous dire. D'ailleurs, est-ce qu'on commencerait pas par se confectionner une tenue? Parce que ce qui est difficile lorsque je veux créer une tenue avec John Kazman, c'est que j'ai tellement de vêtements que ça prend des plombes. Là, ce qu'on va faire, je pense, c'est que on va aller dans tenue. On va la sauvegarder. Ça va être peut-être la première tenue. Attends, on va faire comme ça. Voilà. Ah non, j'ai déjà un truc. Alors, on va mettre garçon de fer. On va mettre ferme. Je comprendrais que ferme, c'est vraiment la tenue du garçon de fer. Même les jambières, ça fait garçon de ferme. On a la tenue de Clodo. Ah, la tenue de Clodo, c'est une tenue de Clodo. Et la tenue de Fennec. Ok. C'est quoi? On va se faire une petite tenue. On va se faire une petite tenue, je crois, non? Alors, est-ce que j'ai la possibilité de pas de tenue? Voilà, on va partir sur pas de tenue. Alex Lilex. Ouh, ça fait un bail, Alex Lilex. Effectivement, mais vous êtes quelques-uns à revenir après un long temps d'absence. Donc, avec grand plaisir. Merci, merci d'être avec nous. Et Tom le Chauve qui balance un super chat. J'allais arriver à toi, Tom le Chauve, qui est membre du gang depuis 12 mois. Il manque la dernière icône, toi, Bob. Je crois qu'il y a toi, Bob, et une troisième personne qui en est à votre 12e mois de souscription. Et je t'inviterai, Tom, j'en profite que tu sois sur le direct, pour m'envoyer tes coordonnées via DM sur Instagram, que je puisse t'envoyer ton petit cadeau. Et tu verras la dernière icône de membres qui est la plus sympathique et que j'ai hâte de voir à côté de vos blases parce que c'est la meilleure hein, que j'ai gardée pour la fin. Donc pour le coup, je relance un nouveau perso. Effectivement, c'est un personnage qui s'appelle Francis Corazon que j'ai relancé depuis quelques mois, mais avec lequel je ne joue que très peu en dehors des directs. Je m'étais promis d'y jouer que pendant les directs, mais à des moments, je ne pouvais pas lancer de live et donc j'ai dû profiter de certains bénéfices. Donc j'ai lancé quelques parties et le but, ça va être de redécouvrir le jeu et de refaire progresser ce personnage. Les vacances scolaires, ça va être énervé, tu m'étonnes. Il y a moyen de faire du contenu sur Ark, oui, j'imagine. Et merci beaucoup, Tom, pour les 5 euros. Merci beaucoup, mon ami. Tu sais que ça va droit au cœur.
C'est pas ce que je vous demande, mais quand vous faites ce petit geste, ça me fait plaisir. Blood Wolf, salut à toi, merci d'être avec nous. Gigi Stoll, que je salue aussi, je participe pas d'habitude, mais je mate toutes tes vidéos. Merci pour ton taf, très bon. Merci beaucoup, mon ami. Merci, ça fait toujours plaisir de lire ça, surtout en direct. Donc, pour le coup, merci d'être avec nous. Merci du soutien, en espérant que mes vidéos continuent à te divertir et à vous divertir en passant. Je suis nouveau depuis une semaine sur le jeu, déjà le niveau 120. Bah écoute, t'as dû pas mal rusher, insociable. Donc, bah, déjà, bonsoir à toi. Et pour le coup, bah, tu peux te féliciter parce que c'est un très bon niveau 120 en l'espace d'une semaine, je te le dis. Hein. Je salue Nash aussi en passant. Et maintenant, je vais me concentrer un peu sur l'écran, je pense, parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, pour le coup, allez, on va choisir un petit chapeau. On va se faire une petite tenue. Ce chapeau est vraiment pas mal. Le chapeau de tracker est pas mal aussi, en vérité. Hein. Chapeau occidental, chapeau melon. Allez, j'hésite entre le chapeau Cayuga et le chapeau de tracker. Vous me conseillez lequel, très rapidement. À votre avis, le chapeau Cayuga ou le chapeau de tracker? Allez, les deux premiers qui m'envoient une réponse, je vous laisse choisir. Allez. Aujourd'hui, je vous laisse choisir. Vraiment, je vous fais confiance. Cayuga à la base. Pas mal, Kélébra. Oui, effectivement. Merci, Tom. Merci beaucoup. Tom qui est sur la chaîne depuis très très longtemps. Donc, d'autant plus un plaisir de voir que tu es toujours là, que tu ne te lasses pas du contenu. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Kaguya, Tracker. Ah, je crois qu'on est parti sur le Kaguya. On est parti sur le Kaguya. Allez, c'est réglé. Je fais confiance. Je vous le dis d'office, les gars. On n'a pas beaucoup de choix. Donc, est-ce qu'on lui met un bandana? Soit pas de bandana, soit le bandana ben, qui est assorti au chapeau, pour le coup. Tom, j'aimerais bien relancer The Witcher. J'ai tellement le jeu en retard. Le temps que vous répondiez, on va refaire juste un tour. Les jeux auxquels j'ai envie de jouer, je joue en ce moment, sans compter ceux qui traînent derrière. Hein. Là, faut que je continue ce let's play. Faut que je continue ce let's play. Faut que je découvre ce jeu. Faut que je continue ce let's play, évidemment. Cette vidéo. Enfin, j'en ai fait une vidéo. J'ai un peu joué derrière, franchement. Je vais dire un truc, les gars. Vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'ai bien aimé ma découverte de Anthem. Alors, bandana. Bandana, on est parti pour le bandana. Namkoon qui le rejoint. Namkoon, bonsoir à toi, amigo. Merci d'être avec nous. WWE, quelle fraude. Non, il est bien, Verzi, que tu racontes. Eh, arrête. Théo Babac, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Et Kélébra qui me dit chevilles ouvertes, chien en or qui brille. Attends, je connaissais une partie de la Zig par cœur. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, on s'en fiche. Et on va partir sur la chemise. Allez, petite chemise. Qu'est-ce qu'on a? Chemise en laine, chemise démodée ou chemise ordinaire? Vous me conseillez quoi? Alvi, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, mon ami. Alors, pour ceux qui arrivent tout juste, on est en train de confectionner une tenue spécialement pour cette soirée. Voilà. Et c'est vous qui confectionnez la tenue. Arrête leur la loi. Non, m'envoyez pas à la gare en plus. Le chemise ordinaire, merci Tom. Là, on part sur du truc plus correct. La blanche, la ordinaire. Hein. Ok, la ordinaire blanche. Merci. Ordinaire ouverte, évidemment. Évidemment, on va se faire une petite chemise ouverte, évidemment. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient comment tu ouvrais ta chemise, en bas à droite, vous avez plusieurs indications. Vous appuyez sur la touche modifier, donc carré sur play. Et vous ouvrez le col, manche, on va les monter. Ouais, on va les monter. Il a pas le temps, le mec. Il est au taquet. Il est parti. J'avoue. Ludmila qui rejoint le gang. Merci beaucoup, Ludmila. Je ne sais pas si elle est connectée sur le chat. En tout cas, bienvenue à toi. Merci beaucoup en tant que légende de l'Ouest. Merci infiniment. Merci beaucoup, je te dis la vérité. Ce n'est pas tous les jours que, de nouvelles personnes rejoignent le gang. Donc, deviennent souscripteurs à la chaîne, donc merci beaucoup, toutes mes salutations, et en espérant que, ben, que le contenu te satisfasse, et qu'il vaille ton investissement. Merci, merci. Même l'équipe, ils sont chaleureux, j'ai même pas besoin de leur proposer, qu'ils sont déjà là de saluer, donc pour le coup, merci les gars. Je suis pas sûr que ce perso soit distillateur clandestin pour danser le mien, j'avoue. J'avoue. Alors, pour ce qui va être du gilet, est-ce qu'on met un gilet ou est-ce qu'on met pas de gilet? Alors, on a le choix entre 4 gilets. Voilà. Je viens de mater Colorado, un western de 1966 avec Lee Van Cleef. Ouh, Lee Van Cleef. Je vois un petit gilet noir serré comme dans le film.
Ben, on a deux gilets noirs. Alors, allez, on hésite entre les deux. Je partirais bien sur le Richfield, moi. Richfield ou bien un gilet en cachemire, à vous de me dire. Wartonic, il a dit non. Je sais pas pourquoi, mais il a dit non. Le gilet classique rouge. Celui-ci? Ou gilet traditionnel, tu veux dire? Mais le traditionnel, il est éclaté. Allez, je vais faire plaisir à Namkun. On se prend un Richfield. Allez, on est parti sur Richfield. Merci beaucoup, Ludmilla. Milliers, je sais pas, mais on essaye. Voilà, je sais que moi-même, sur certains jeux, j'apprécie aller regarder des vidéos astuces, conseils, let's play, voilà, qui m'aident à partir sur de bonnes bases dans ces jeux-là. Donc, pour le coup, ben, si je peux, moi, faire ça de mon côté, allez, on met les bretelles, c'est gratuit. Voilà, c'est gratifiant et donc ça fait toujours plaisir, donc merci. 11 000 quand même. Ah oui, on est 11 000. Merci. On est déjà 11 000. Alors on fait pas forcément gaffe, mais l'air de rien, oui, vous commencez à être de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Alors en termes de gants, là ça va être compliqué parce que j'ai des gants un peu éclatés, il me semble. Donc gants faucheux, les gants d'ouvrier, les gants de ville, là, ça va, ils passent les gants de ville, ou les gants en cuir. Allez, je vous dirai pas ce qui me plaise le plus. Changement ce futal, on y arrive, Tom, t'inquiète. Chaque chose en son temps. Je laisse me proposer. Alors, on va essayer de faire une tenue correcte. Parce que quand je vois le hors-la-loi, je sais le hors-la-loi, il veut m'envoyer à la gare, l'enfoiré. Les gants d'ouvrier, nous dit Kélévra, ouvrier. Ah, on a cuir, cuir, ville, ouvrier. On a trois cuirs, on a quatre cuirs. Ah, on a quatre cuirs, allez, on part sur le cuir. Je vous dis la vérité, vous savez quoi? C'était biaisé parce que je voulais mettre les gants de cuir à là-bas. Donc on a beaucoup. Il y a thème précis ou c'est... Non, c'est freestyle. En fait, le défi, c'est de réussir à faire une tenue stylée avec ben, le peu de vêtements qu'il a dans sa garde-robe, pour le coup, tu vois. Cuir moustache, j'avoue. Limite, on lui fait une petite moustache. Alors, pour ne pas stresser plus Tom... On va choisir un pantalon. Kulka nous disait sans gants, c'est vrai que c'était une possibilité aussi. Alors, on a pantalon à revers, hein, qui est pas mal. Pantalon d'employé qui fait un peu cuir. Pantalon d'entrepôt, non. Et pantalon clouté. Ouh là là, c'est dégueulasse. Alors, le pantalon clouté, oui, mais pas forcément avec cette tenue. Du coup, le chapeau va plus avec la tenue. On peut essayer de... Kélévra, t'inquiète, on peut essayer. Je sais qu'il y a des éléments où on va pouvoir faire du rappel de couleur. Mais effectivement, les gants bruns avec le chapeau brun, ça aurait pu le faire aussi. Pantalon d'employé. Employé, on est parti sur l'employé, c'est bon. T'as une idée de la date de sortie du prochain DLC Red Dead? Edward Garcia, non. Non. Mais on se doute que ce ne sera pas avant juin-juillet. Voilà. Et je répète, parce qu'il faut que je le répète. J'espère me tromper. Moi, j'espère avoir une surprise d'ici 2 semaines où t'as un trailer qui pop en te disant ouais, d'ici telle et telle date avec une date précise, on a le plus grand DLC que Red Dead n'a jamais vu, là 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 et tout, tu vois. Mais mince, pardon, pardon, j'étais plus concentré. Mais je pense pas. Jambière, on va regarder les jambières, mais d'abord, je pense qu'on va choisir les bottes pour avoir une vraie vision. Voilà, déjà là, on a des bottes qui pourraient rentrer un peu en adéquation avec ce qu'on a au-dessus. On a les bottes de cavalerie qui sont noires. Bottes à bout carré droite. Et les. Voilà. Les ropers usés, je ne vais pas vous influencer, mais les ropers usés, on est dans le rappel du chapeau. Par exemple, à voir. Tu vois? La tenue avec le chapeau, nous dit Tom. Oui, ça peut le faire. Je sais que personnellement, je suis assez maniaque avec les couleurs et le mariage de couleurs, mais en vérité, pas forcément, tu vois. Donc, pour le coup, bot, dites-moi. Moi, je partirai sur les ropers usés, mais vous me dites ce que vous voudriez voir. Qui est arrivé? Gizmo Guillotin qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Je lève mon verre à Gizmo qui arrive. Merci d'être avec nous. À quand de vidéos sur GTA Online? Il faudrait. En plus, cette semaine, on a de très très bons bonus de. On a transaction en cours, il y a écrit en bas à droite, les gars. J'ai rien acheté, je suis dans ma garde-robe, j'ai transaction en cours. Voilà. Repère usé, on est d'accord. Hein. Les repères, je mets que ça, nous dit Kélévra, repère. Merci, santé du coup.
Alors, je ne sais pas pourquoi on a eu le transaction en cours, mais les Dunsman, oui, ça pourrait le faire. Mais la ceinture Ulster, c'est pas sûr qu'on la garde. On peut la changer aussi. Hein. Adama qui nous rejoint. Bonsoir à toi, Adana. Bonsoir à toi, pirate. Merci d'être avec nous, mon ami. Des jambières ou pas? Jambières ou pas de jambières? Moi, je dirais pas de jambières. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on ne mettra pas cela. Soit demi-jambière militaire, soit pas de jambière, vous me direz. Un DLC, on attend que ça, évidemment. Évidemment. Mais après, je n'attends que ça, mais je ne l'attends plus, en fait. Pour que quand il arrive, je me dise, ça fait plaisir. Jambière? Ok, on est parti sur des jambières. Hop, ouais, ça commence à avoir de la gueule. Qu'est-ce qui nous manque? Pantalon, on a pris équipement pour armes. Est-ce que j'ai des holsters? Est-ce que j'ai seulement des holsters? On a le holster de l'agence ou le holster as de la gâchette. Ouh. On prend quoi? Holster de l'agence sobre, classique, ou holster as de la gâchette. Un peu plus. Les jambières, ça fait moche un peu, nous dit Adama. Go aller à la gare. Agence. Agence. As. As. Ah, le prochain. Le prochain aura raison. 100. Agence. On est parti sur agence. Les deux étaient bien. J'ai une question. Francis a déjà croisé John Kazma, nous demande le faucheur. Non. Non, non. C'est pas le genre à traîner dans les mêmes endroits. J'ai pas d'éperon ou avec les jambières, je peux mettre d'éperon. C'est chelou ça. Écoutez, on va terminer avec la boucle. Tom le Chauve, merci beaucoup. Je suis deg que le jeu soit laissé à l'abandon. Oui. Merci encore, Tom. Mais faut pas. Tom, t'as vu, je te réponds. Ne t'en fais pas. Voilà, les super chats, c'est sur les chaînes où ils n'ont pas le temps. Nous, ça va, on a le temps, on est entre nous, donc pour le coup, merci, merci beaucoup. Mais effectivement, c'est triste. Je vous laisse regarder les boucles. Attendez, on va faire ça. Je laisse regarder les boucles et vous me direz lesquelles vous voudriez voir. Ouh, ça va trop vite. Attendez, ça va trop vite. On redescend là, voilà. Je vais juste répondre. Alex Lilex qui me demandait si je regardais des animaux manga ou ça m'intéresse. Non, non, je suis de cette génération où. Je suis de cette génération où. Non, moi j'ai grandi avec les mangas. Je suis un enfant du club Dorothée, hein, moi. Donc, non, pour le coup, non. Actuellement, je regarde l'Attaque des Titans. Là, on attend la saison, la partie finale de la saison finale. Sinon, j'ai regardé un peu One Piece, j'ai regardé Naruto. Alors, Naruto, au bout d'un moment, j'ai survolé les Shippuden. Mais j'aime bien un petit manga par-ci par-là. Je sais que j'ai mon manga de toilette. Tu vois, les gens ils ont des livres de chevet. Moi, j'ai un manga de toilette. Mon manga de toilette, c'est Noritaka. Je sais pas si vous connaissez. Bon, j'ai pas choisi le. J'ai pas choisi la meilleure couverture, mais ceux qui connaissent Noritaka, très très bon manga, la vérité. C'est l'histoire d'un loser qui va apprendre à faire des sports de combat et qui devient super fort parce qu'en fait il a un pouvoir latent, etc. Enfin, un pouvoir latent, c'est très réaliste, hein, mais qui met des raclas à des gens, c'est juste un truc de fou. Alors. Victime ennemie. Celle-ci, ouais, je serais parti là-dessus. Je serais parti là-dessus. Nathalie Gosset, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints. En espérant que tu passes une bonne soirée. John et Francis partagent une prime et une bière au salon. Tu sais que je pourrais. Je pourrais, puisque les deux personnages sont sur deux profils PSN différents, il faudrait que je laisse quelqu'un contrôler Francis et moi je prendrais John à ce moment-là, etc. Donc pour le coup. Mister Fool, merci d'avoir rejoint le gang, merci beaucoup. Vous êtes deux en indirect, ça doit faire une petite demi-heure qu'on a commencé. Bandit de grand chemin, donc merci beaucoup de rejoindre les souscripteurs, merci de rejoindre le gang en espérant que mon contenu te divertisse et qu'il soit à la hauteur de l'investissement parce que l'air de rien. Autant pour Ludmilla que pour Mister Fool que pour tous ceux qui sont adhérents au gang, c'est quand même un investissement. C'est-à-dire si tu fais pas ça à n'importe quel moment avec n'importe qui, et pour le coup, je pense que
ça traduit d'une certaine confiance. Donc merci beaucoup, hein. Là, je vous remercie en globalité. C'est pas des choses auxquelles on s'attendait. Petite parenthèse un peu tristoune. Mais ça fait plaisir parce que je me dis que vous me faites assez confiance pour vouloir me récompenser. Et pour le coup, ça fait extrêmement plaisir. Merci. Noritaka Sawamura, je les ai chez moi. Bête de manga, dit Namkun. Donc pour le coup, tu connais, donc ça va. Je joue sur PS5, version PS4, Adama évidemment. Silver Soul qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, Silver Soul. Les anciens Sanjiko. Il n'y a que des membres du gang là. C'est soirée gang là. Merci d'être avec nous, les frères. On dirait que vous êtes arrivés ensemble. Alors je me demande un truc. Non, on est bon. Est-ce qu'on lui met un manteau? Pas forcément, hein. Allez, on va terminer. Alors, le bandana, je sais plus maintenant si je le mets, le bandana. Est-ce que je mets le bandana ou pas? Allez, on va mettre le bandana histoire d'avoir un petit rappel. Et dernier truc, le manteau. Mais manteau, je crois que c'est très léger, hein. Encore une fois, je vous laisse choisir le manteau que vous voudriez avoir. Merci beaucoup, Mister Fool. Ben, le fait que vous envoyez un petit commentaire. Une fois de temps en temps, ou plus important encore, que vous soyez là et que vous participiez aux discussions pendant les streams, ben, ça fait extrêmement plaisir. Donc, ben, du nombre, tu passes à un membre du gang pour le coup, avec plaisir. Merci, frérot. Non, pas de boucle et pas de bandana. Allez, Tom, arrête. Sois pas vieux jeu, Tom. Le deuxième manteau. Pas de manteau. Thunder, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Manteau en laine peignée, c'est lequel, le laine peignée? Ah, il pourrait le faire. J'avoue, ça pourrait le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder la tenue comme ça. On va l'appeler tenue live. Et on va prendre le manteau. On va se faire une variante. Voilà. Et là, on va en faire une autre et on va l'appeler live manteau. Des fois, je cherchais des trucs, mais voilà. Donc normalement, on va aller dans tenue, voilà, et on a la tenue de Clodo, la tenue. D'ailleurs, non mais attends, oui, d'ailleurs, Koleski, est-ce que c'est Koleski qui disait ça? Non, Kelevra, qui disait, sans rigueur que je me casse sur le clochard. Non, il n'y a pas de clochard. Non, c'est que du bénéf, c'est de la cerise, le fait que vous rejoigniez le gang, c'est un plaisir en plus, mais le fait que vous soyez là. Pour le coup, ça fait déjà très plaisir, donc tu vois. Il manquait plus que la VRDO. Merci, Silver Soul. Merci. Je sais pas maintenant si je t'appelle Silver Soul ou na 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 Nashak. Ah, j'ai déjà oublié ton ancien blaze. Je rigole, je te taquine. En cuir noir, c'est ouf aussi. J'avoue. Quatrième. De toute façon, maintenant on a les deux. On a la Clodo, on a la Fennec, on a la tenue de ferme, on a la live et on a la live manteau. Pour le coup, on va mettre celle-ci. La Clodo, on la met sur le cheval. Ah, je peux en mettre que trois. Ah oui, mais je peux en mettre que trois. J'ai pas encore ce qu'il faut. Oui, évidemment. Ok, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Ce que je voudrais faire, moi, je vous avouerai, c'est déjà. Juste aller me cuire 2-3 viandes si j'en ai la possibilité. Aujourd'hui, je vous ai dit, on va optimiser, on va se mettre bien, histoire de partir. Et dès qu'on va partir, ça va. Voilà. Bah écoutez, on va cuire ça. Et ça me permettra de dire salut à ceux qui nous rejoignent là dernièrement. El Salcedo. Je joue à Red Dead depuis pas mal de temps. J'ai kiffé le mode histoire. Est-ce que le online vaut vraiment le coup? Je ne comprends pas. Quoi faire, quelles sont les missions à faire, etc. Très difficile comme question. Alors qu'en vrai, non. Red Dead Online vaut le coup d'être joué. L'expérience en termes de sensation de Red Dead Online n'est pas du tout la même que celle de Red Dead Redemption 2. Et ça, je te le signe. C'est-à-dire, c'est pas du tout le.
T'as pas du tout les mêmes émotions en jouant à Red Dead Redemption 2 avec Arthur, John et le gang de Dutch que lorsque tu vas créer ton avatar et tu vas te balader dans les mêmes environnements dans le online. Malgré tout, c'est un très bon jeu qui propose des trucs très intéressants. Ce qui veut dire qu'un gars qui arrive sur Red Dead Online, pendant de nombreuses semaines, il va s'amuser, il va découvrir des trucs, il va farmer, voilà, il va avoir des objectifs bien précis qu'il va avoir envie de valider, mais passé un certain seuil, malheureusement, tu commences à tourner en rond et à partir du moment où tu commences à tourner en rond dans Red Dead Online, ça devient très très difficile. Là où Red Dead Redemption 2, je pense que pour la majorité d'entre nous, vous me direz si je me trompe, on a plaisir à y revenir et à refaire même les mêmes missions parce que la narration rattrape le tout. Dans Red Dead Online, c'est un peu plus compliqué parce que il n'y a pas de narration, donc il n'y a rien qui sauve la répétitivité, tu vois. Donc voilà. Mais en vérité, si tu as aimé Red Dead Redemption 2, tu aimeras Red Dead Online, évidemment. Au moins pendant un temps, tu vois. Charisma, si tu avais une tenue ranchère, son pantalon, j'ai pas trop. Le pantalon de la tenue de ranchère. Tu avais une tenue de ranchère, son pantalon. Ben écoute, le pantalon que je mets dans quasiment toutes les tenues de John Kazman, c'est le pantalon de rancher. Ou le pantalon. Non, le pantalon de Bandido, pardon. C'est le pantalon de Bandido. Et normalement, c'est un des articles qui est dans le catalogue sur l'année, tu vois. Donc je sais pas, c'est bizarre. Regarde un pantalon de Bandido. Par contre, moi je mets le pantalon de Bandido, mais par-dessus les bottes. Tu vois, c'est peut-être ça qui fait la différence. Très sympa comme petit. On est d'accord, hein, elle est pas dégueu. Hein. Quand tu dis que le mec il y a 3 jours c'était un clodo, ça va. Potara, les Potara de Dragon Ball. Tu joues plus avec John Kazman. Silver Sable, non. Ça fait un moment que j'ai pas lancé Red Dead avec John Kazman, malheureusement. C'est quoi ça? C'est un. Kulkan qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup à toi. Il y en a un autre, mais je sais pas, il est où. Voilà. Histoire de. Très sympa, la petite. Je vais aller me coucher, nous dit Tom. Tom, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, frérot. Tu sais que je t'aime. Voilà, Tom qui. Avec lequel je communique de temps en temps sur Instagram. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci? Ah, il s'est libéré tout seul. Ok. Alors, Jérémy Labonte, là, on vient de se confectionner une tenue. On va. En fait, c'est un nouveau personnage. Alors, je vais vous montrer. Hein. Alors, juste si à la boîte de dialogue qui pouvait disparaître, ce serait sympa. Voilà. Non mais enlevez-moi ces boîtes de dialogue, s'il vous plaît. Je vais tenter de profiter des bonus de la semaine, mais avant tout, je vais tâcher d'augmenter, enfin d'améliorer, de faire progresser mon personnage, en gros. C'est un nouveau personnage. Voilà. Mon personnage est niveau 29, donc il est tout neuf, hein. Il est tout neuf et donc le but c'est de recommencer Red Dead de la façon la plus optimale possible, donc en ne perdant pas forcément du temps à chercher qu'est-ce qui rapporte, etc. Tu vas vraiment se concentrer sur les activités qui rapportent. Alors ce que je vais faire là, c'est que on va se faire une petite prime, histoire que je me refasse la main et que vous ayez un peu d'action. Et ensuite on passera à l'étape qui concerne les cartes de compétences, si j'oublie pas en tout cas. Donc pour le coup, voilà. Adriano, bonsoir à toi, j'ai pas fait gaffe. Adriano, moi je dis Adriano, parce qu'Adriano, il est ghetto youth. Est-ce que Francis a fait la révolution mexicaine? Possiblement. Il y a de fortes chances que Francis ait fait la révolution mexicaine. Je te dis la vérité. Donc voilà. Petit fou que j'ai pas vu arriver, bonsoir à toi. Désolé hein, si je loupe certains d'entre vous qui arrivent. Jérémy à qui j'avais pas dit salut, donc pour le coup, bonsoir. Moyas qui arrive aussi. Moyache. Moyache, salut à toi. Sahaftorek au passage. Merci frérot. Sahaftorek. C'est ce qui justifiait que le live commence si tard pour le coup.
Bah écoute Tom, si tu es encore là, tu sais que je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Ce sera avec grand plaisir. Reste sur la route. Reste sur la route, frérot. Reste sur la route, voilà. Anyway, n'hésite pas pour le message, voilà, que je t'envoie ton petit cadeau. Twitter. Antoine Carrère, bonsoir à toi, merci. Merci à toi, BG. Merci. Un docteur bleu. Mon bonus préféré de cette semaine, c'était la tenue. La tenue offerte. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas nos propres diligences dans le jeu. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas personnaliser les chevaux qu'on attribue aux différents chariots. Ça aurait été bien que le chariot de chasse, ou le chariot de livraison de marchand, tu puisses mettre un cheval à toi, tu vois, un truc... Infini 125, bonsoir à toi, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. Moi, Tom le chauve, je l'appelle Tom le collègue. Parce qu'on va tous y passer, les frères. C'est limité pour les véhicules qui nous appartiennent. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. J'avais déjà tout de la tenue, donc... Ben écoute, Kélévran, ouais, pas forcément besoin de se connecter, hein. L'émission Telegram, alors dans la Newswire, ils te vendent ça comme oui, vous allez vous faire des coronets en or, mais merci. Merci Tom, non, mais il en faut des réactifs. Je disais oui, ils te vendent les bonus de récompense de la semaine comme si c'était impressionnant, alors qu'on sait très bien que l'émission Telegram, c'est une carotte, c'est une douille. Alors, pour ce que ça rapporte, même en doublé, même en triplé. Alors on va s'en faire une après. On va s'en faire une de chaque sorte. On va se faire une mission Telegram classique. Et ensuite on se fera une mission Telegram extrême. Histoire de voir ce que ça peut rapporter avec les bonus doublés ou triplés, je sais plus. Ta tête elle bouge pas, nous dit SNG. Passe une bonne soirée, merci beaucoup encore Tom. Moi aussi j'ai créé un nouveau perso, nous dit Sandico. Sandico, bonsoir à toi, je t'ai pas vu arriver. Enfin, je crois que je t'ai pas vu arriver. Ah, pardon, j'étais en train de regarder le chat. Pardon, pardon. Pardon. Vas-y, vas-y, mon ami, vas-y. Voilà, désolé. Bug sur un magnifique. Fatima, bonsoir à toi. Je vais savoir si tu penses qu'un jour, il y aura Red Dead 3. Moi, j'aurais peur qu'il y ait un Red Dead 3. J'ai très peur. Pour Red Dead 3 et j'ai très peur pour GTA 6. Et je suis du genre à te dire, je préfère ne pas avoir quelque chose que d'avoir quelque chose qui ne me satisfera pas ou qui, pire que ça, va me décevoir, tu vois. Là, quand on voit l'état de GTA et les situations dans lesquelles ils se mettent, j'ai très très peur. Je vous dis la vérité, j'ai très très peur. Donc, non. Déjà qu'il n'y a pas de Red Dead 2. Enfoiré. Bender, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Mon cheval préféré, eh bien, c'est le breton. Et mon arme préférée... Je pensais qu'il allait taper la flûte. Eh, il est courageux, le mec, hein. Balle perdue, il s'est pris une balle perdue l'enfoiré. Non, 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 non. C'est lui ma cible, hein. Ouais. J'ai dit, faut que je me fasse la main. Après, l'arme que j'utilise là, donc. La carabine Evans est une très, très, très bonne arme. Voilà. Ah, non, ne pars pas, reviens. Reviens, je voulais aller looter tous ces ennemis. Donc, allez, on va rester dans le classique, je vais dire, voilà. Cheval, ça va être le breton, et arme, on va dire fusil à verrou. Parce que, en fait, le fusil à verrou, ce qui est intéressant, c'est que, hop, c'est que c'est, pour moi, l'arme la plus polyvalente du jeu. Elle est aussi efficace en fusillade contre des êtres humains, que ce soit des ennemis ou des PNJ,
que pour la chasse, parce que tu peux chasser et préserver la qualité de tes peaux avec le fusil à verrou, au même titre qu'un arc, tu vois. Je rêve ou... Mais reviens ici! Tu vas où? Ah, je suis un crevard, les gars. Je vais fouiller tout le monde. Au max, on va tenter de les fouiller. Après, avec le problème maintenant avec Red Dead, c'est que tu pourras sans doute faire mieux en termes de visuel, en termes de gameplay, mais tu feras pas aussi profond que ce qui a été fait en termes d'immersion et d'émotion. C'est ça. Et ça, on le doit à des êtres humains. C'est pas la technologie qui fait que Red Dead est un si bon jeu. C'est l'aspect humain. C'est l'aspect Hauser. C'est la touche Hauser, je viens de te dire. Je les ai fouillés, pardon. On a des coffres, mais les coffres, par exemple, voilà. Un des défauts de Red Dead Online, c'est que les coffres, tu n'as rien. Tu vois? Je vous le dis d'office, les coffres, on aura cacahuète. Heureusement qu'il y a des objets à récupérer, mais pourquoi ces objets-là, vous ne les mettez pas dans les coffres? Ne serait-ce que pour que tu aies un intérêt à ouvrir le coffre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est pas un breton. Ah non, c'est pas un... Ça, c'est Regan. Tu vois? Très bon cheval. D'ailleurs, il va falloir que j'aille acheter une nouvelle selle. Faut pas que j'oublie avant la fin de l'épisode. Hop. Parce qu'à moi d'ouvrir ce coffre. Voilà. Tu vois, les objets, mettez des objets dans les coffres. Je m'en fous de ce que vous mettez. Une huile, peu importe. Viens ici. On va te choper à pied, toi. Le fusil à verrou, c'est l'arme de celui qui s'étire. Alors là, je grignote vos coms. Bah écoute, moi j'ai commencé avec. Alors. Pour Antoine Carrère, j'ai commencé avec le rôle de chasseur de primes personnellement. Actuellement, c'est le seul rôle que j'ai avec ce personnage-là. C'est le rôle de chasseur de primes. Et ensuite, on va partir soit sur du marchand, soit sur du distillateur. Parce que l'air de rein, ça va être le distillateur qui va être le plus rentable en termes de d'argent. En attendant que je puisse débloquer le rôle de naturaliste. Parce qu'en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que. Ils sont vifs, hein, les enfoirés. Le rôle de marchand est un très bon rôle. Mais en lui-même, c'est-à-dire en l'état, il est très difficile à farmer. Tu vois, pour monter ta jauge de production, c'est très très long. À moins d'avoir le rôle de naturaliste qui va accélérer tout ça. Donc, le rôle de marchand sans le rôle de naturaliste est moins rentable que le rôle de distillateur tout seul. On parle d'argent, hein, on parle de dollars. Ce qui veut dire que, en termes d'investissement, si tu veux être rentable avec le rôle de marchand, il faut que tu investisses deux rôles d'un coup. Donc, moyennant à peu près une trentaine de lingots si tu as de la chance, tu vois. Ça dépendra si tu tombes sur des promos, si tu as des tickets avantages, et puis s'il y a des semaines spéciales rôle qui te permettraient de débloquer le rôle moins cher que son prix d'origine. Sachant que le prix de base du rôle de distillateur, c'est 25 lingots. Donc, c'est déjà moins cher, tu vois. Ce qui veut dire que j'imagine que le rôle que je prendrai en seconde position, ça va être le rôle de distillateur. Mais rien n'est fixé. Et vous voyez la jauge d'endurance de mon cheval qui diminue très très rapidement alors que c'est un Missouri Foxtrotter. Arrête de m'emmerder, t'es en train de faire perdre l'endurance au cheval. Donc voilà. Alex Lex, bonne soirée à toi, merci d'avoir été avec nous, merci d'être passé. Alors c'est vrai qu'il est plutôt assez tard. Donc merci quand même d'être venu dire coucou. Et donc, attends, Fatima qui disait, moi je pense qu'il devrait remake Red Dead 1. C'est trop sympa. Ne serait-ce que, ouais, remake Red Dead 1 avec le moteur graphique de Red Dead 2. J'en demande vraiment pas plus. Ce serait juste magnifique. Parce que là, l'air de rien, je suis tombé sur le let's play de Tanahosu sur Red Dead 1. L'enfoiré m'a donné envie de souscrire au PS Now pour y jouer carrément. J'étais à deux doigts de souscrire. Mais j'imagine même pas Red Dead 1. Vraiment, tu changes rien. Juste, tu mentionnes vite fait Arthur. Tu sous-entends Arthur.
Non, il n'y a plus de cam Chocomoney parce que j'ai eu un petit problème technique malheureusement. Je vais essayer de régler ça. Sandico, bonne soirée, je suis Red Dead. Tu m'étonnes. Sandico, t'as le sens des priorités, frérot. Biggie qui nous dit, tellement je m'ennuie sur Red Dead Online, j'essaie des expériences à Guarma, effectivement. Il pourrait prendre... Fatima, ouais, Fatima, je vais dire Fatima. Exactement. Je pense qu'on, ouais, on en est là. 24 pépites, 24 pépites, ben, ça va. On a combien? Ouais, on a Jinago, ça va vite, ça va vite. Ça va vite. Jérémy Labonte, je suis pas objectif. Le meilleur pont pour moi, c'est le pompeux. Tu vois, y a pas mieux que. C'est pas le meilleur en vérité, hein. Mais pour moi, c'est le meilleur. Ça reste le meilleur. Alors, on va. On disait qu'on allait se prendre une nouvelle selle. Je vais juste. Juste 2 secondes, hein, donnez-moi 2 secondes. Je vais juste voir si je peux refaire partir la cam. Ouais, petit problème, je sais pas. Hein. Et pourtant, et je vous le dis, les gars, c'est le nom, c'est le fusil à pompe classique. C'est vraiment le fusil à pompe avec une véritable pompe. Je vous disais, le problème de webcam, faut savoir que ce que j'ai fait ce soir, c'est quand je suis rentré chez moi vers 19h30. J'ai lancé OBS. Sans lancer de stream évidemment. Ah, la tronche que j'avais. Identique à la sortie. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la caméra a freeze une première fois. J'ai relancé OBS, etc. Et j'ai laissé tourner pendant 1 heure et demie. Et la caméra, la webcam n'a pas freeze pendant 1 heure et demie où je suis allé manger, je suis allé me laver, etc. Ce qui veut dire que ça va, il n'y a pas de problème. Et là, non, malheureusement. Ben... Voilà, on est reparti. Si ça freeze, vous me le dites. Adama qui va se coucher, mais écoute, passe une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous, mon ami. Merci. Et en plus, c'est pas faute d'avoir fait un live le samedi. Je me suis dit comme ça, je sais que je vous dérange pas. Je vous empêche pas de dormir. Quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on va faire, c'est que. Donc, on a El Schlago, hein, notre premier cheval. On a Regan. Et Regan, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter une selle. Alors, on est toujours dans le débat, la meilleure selle du jeu. Il y a de nombreuses selles qui sont plutôt correctes. Hein. Plus vous allez descendre, plus vous allez vous retrouver avec des selles très correctes. Le truc, c'est que est-ce que vous avez le niveau et est-ce que les statistiques de la selle vont correspondre avec votre style de jeu? Ce qui veut dire que lorsque tu veux faire voilà, un équilibre, tu vas sur la Nakogdoche. La selle Nakogdoche, Nakogdoches, comme on pourrait dire. La selle Nakogdoche, elle a la particularité d'avoir de bonnes stats, relativement bonnes, et de pouvoir en plus ajouter une unité. On va regarder ça comme il faut. Une unité au niveau de la vitesse et de l'accélération. Ce qui veut dire que là, mon cheval, potentiellement, avec une bonne selle, peut atteindre les 9 sur 10 en vitesse et les 7 sur 10 en accélération. Avec la selle Nakogdoche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter d'un cran chaque jauge, ce qui veut dire que tu vas atteindre 10 en vitesse et 8 en accélération. Et c'est la seule selle du jeu actuellement qui permet ce petit truc. Ce qui veut dire que même si d'autres selles ont des meilleures statistiques dans le fond, ces autres selles ne bénéficient pas de ce petit plus supplémentaire qui fait que bah, tous les joueurs vont vouloir se procurer Nakogdoche. Le petit souci qui se pose, c'est que moi, je n'ai pas la capacité de prendre des Nakogdoches, il me semble. Hein, voilà, puisque c'est limité au niveau 35. Mais vu qu'on n'y est pas encore, je vais malheureusement devoir me prendre une autre selle parce que c'est extrêmement handicapant, hein, extrêmement handicapant de ne pas pouvoir courir comme je le voudrais, donc je vais prendre une selle Upland. Normalement, un chasseur de primes que je devrais pouvoir débloquer. Rang 21 de chasseur de primes. Mince. Ah, pardon. J'avais oublié ce truc-là. Et donc, même la selle Upland, je ne vais pas pouvoir la prendre. Alors, je vais juste saluer ceux qui sont arrivés parce que j'ai vu que vous étiez. Peut-on faire une chasse à la prime prestigieuse sans le chariot, étant donné qu'il y a souvent. Tu peux,
Mais ça va être compliqué, Gizmo, parce que ça va être une question de chrono en fin de compte. Badbada qui est arrivé, salam frérot, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. Saraftorek, j'espère que t'as bien mangé. Hiver, c'est la meilleure. Ah ouais? Drixé, mon ami, Drix Amigo qui nous a rejoint, merci d'être là frérot. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Prochain DLC, faudra l'apprécier. Mieux vaut pas l'attendre, Koleski, je confirme. La selle de chasseur de primes prestigieuse est la plus belle, je trouve. Bah, exactement, elle est très très jolie. Elle a de très très bonnes stats. Ça va très bien, moi, de mon côté, frérot. Ah oui, je peux la payer en or, effectivement, ouais. Ouais, mais non. Nina Seyer, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints. Je salue aussi Mathieu Courbet qui nous a rejoints. Je vais très bien, en espérant que vous avez passé une bonne semaine hein, pour vous qui nous rejoignez. Alors, effectivement. Petit souci de calcul. Parce que. Ouais, mais. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais continuer à m'handicaper. Rang 35. J'ai pas envie d'en prendre une autre. Pour moi, y a pas 36 choix. Je prends soit la Nacogdoche, soit la Upland. Donc voilà. Et Jim qui arrive. Bonsoir à toi, Jim. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Qui me dit, t'as pas lâché RDO, t'es un survivant, toi. Oui, mais Jean, si tu, normalement, et tu devrais le savoir, observez bien, tu noterais que je ne joue pas exclusivement à RDO. Donc, il n'y a aucune problématique pour moi. Je vais le répéter, puisque je crois que Julien disait, t'as du courage de encore jouer à Red Dead 2. Moi, j'ai lâché, ça fait 2 fois, j'attends demain. Alors, je vous expliquais, Jim et Mathieu. Je n'ai aucun mal à jouer à Red Dead Online. Pourquoi je n'ai aucun mal à jouer à Red Dead Online? Parce que je ne joue pas tous les jours à Red Dead Online. Lorsque je sens que j'ai pas envie de jouer à Red Dead Online, parce que je suis frustré du manque de contenu et que j'estime tourner en rond, j'ai un truc qui s'appelle éjecter le CD de la console, ce que je fais, tu vois, donc je le sors, et je prends un autre jeu, et je le mets dans la console, et je joue à un autre jeu. Et quand ce jeu-là commence à me fatiguer, je mets un autre jeu. Et des fois, ce que je fais, c'est que j'achète des nouveaux jeux pour jouer à des nouveaux jeux. Ce qui veut dire que lorsque je joue à de nouveaux jeux et que je reviens au bout de quelques jours, quelques semaines sur Red Dead Online, ben je suis plus frustré. Donc survivant, non. C'est juste que je varie mes jeux et que je me fais une raison, puisque effectivement, je comprends l'idée générale. Tu tournes en rond dans Red Dead Online, d'où l'intérêt aussi de créer un nouveau personnage. Mais je rajouterai aussi le fait que je crée du contenu sur Red Dead Online. Je fais comment? Ok. Dire, ça fait des années que tous les mardis, je sors, tous les mardis ou tous les mercredis, je sors une newswire sur Red Dead Online, je sors une vidéo sur la chronique des nouveautés de la semaine Red Dead Online. Dès qu'il y a une info qui est importante à partager, sur Red Dead Online, je la partage. Si je veux continuer à tenir mon poste, si je ne joue pas à Red Dead Online, comment je fais? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et c'est ça malheureusement que vous avez du mal à comprendre. Alors Jim, je sais, on a déjà discuté, je sais que toi, tu as du mal et je comprends totalement ceux qui... Il m'a saoulé ce jeu. Je me casse, j'y reviendrai quand j'y reviendrai. Mais vous êtes censé faire la réflexion de ouais, bon, il crée du contenu, au bout d'un moment, il est obligé. Enfin, c'est pas une obligation au sens propre, mais ça fait partie de mon devoir. Si je devais ne pas sortir ma chronique des nouveautés de la semaine une semaine, j'aurais une impression de pas avoir fait mon devoir, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé quand j'étais en vacances. Je dis, ah, bon, je fais une vidéo pour ouais, désolé, tu vois. Parce que j'ai tellement pris l'habitude de faire ce truc-là, c'est comme un mec qui va à la salle de sport, tu vois. Ben, quand tu n'y vas pas, quand tu ne fais pas ton truc, tu te sens pas bien. Et c'est exactement la sensation que j'ai, tu vois. Après, je le répète, je ne suis pas le dernier à taper sur Rockstar quand ils font n'importe quoi. Et c'est exactement ce qu'ils font. Mais voilà, pour le coup, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu vois? Un épisode avec le El Jefe Kazman, dit Adrino, j'avoue. Là, en ce moment, ce que je disais, Jim, en début de live, ces 2 dernières semaines, j'ai joué à plus de 20 jeux différents. J'ai joué à plus de. Entre les jeux console et les jeux PC, j'ai joué à plus de. J'ai commencé, j'ai testé plus de 20 jeux différents. Il y en a une partie où je fais des vidéos, il y en a une autre où ben, y a pas, c'est pas assez intéressant pour que j'en parle sur ma chaîne, etc. Mais de ce fait-là. Ben, j'ai moins de mal. Là, ça me fait plaisir de revenir sur Red Dead parce que, hormis mardi, j'ai pas joué à Red Dead depuis, tu vois, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là on est samedi, tu vois. Voilà, il n'y a pas de truc.
Dakota. Vince, j'ai vu qu'il avait sorti une nouvelle série de vidéos, Les Secrets un peu de Red Dead. Je trouve que ça apporte un peu d'oxygène au truc, tu vois. J'ai du mal avec Red Dead. RDO par Red Dead. Oui, t'inquiète, on comprend bien. Mais oui, que tu crées du contenu RDO, c'est très bien, je te blâme pas pour ça. J'aime bien tes découvertes de jeux comme Elden Ring par exemple, mais j'avoue, tes vidéos RDO, je regarde car le jeu m'intéresse. Oui, mais je sais. Tu sais, regarde en plus Jim souvent quand tu viens. Alors, Jim, pareil, c'est des personnes qui sont très anciennes sur la chaîne. Je sais que Jim, quand il va venir me commenter une vidéo, même si c'est un commentaire négatif sur le jeu, il se fout de la gueule du monde, Rockstar et tout, généralement, je lui envoie un petit merci parce que je suis conscient que. Voilà, le cœur n'y est plus, tu vois. Malheureusement, le jeu fait que le cœur n'y est plus. Et le fait que tu viennes visionner une de mes vidéos, ben par principe, ça fait plaisir. Je me dis que le mec, voilà, c'est quand même un effort d'être venu. Surtout, voilà, que quand on est honnête, on est tous un peu frustrés, hein. C'était un jeu dont on s'en foutait et duquel on savait qu'on allait jouer pendant 2-3 mois et qu'on allait passer à autre chose et le laisser derrière nous. Ça va. Mais je pense que en commençant Red Dead et Red Dead Online, on s'attendait tous à y jouer pendant longtemps, tu vois, aussi longtemps que possible, tant que le jeu resterait à la hauteur de ce qu'il promettait, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais, non, mais j'avoue, il se fout de la gueule du monde. Hein. En ce moment, nouveau employeur. Oui, justement, ce qu'on va faire, Bad Badak, on était parti là-dessus. Clumsyaro, salut Kazu, le survivant de Elden Ring, le boutien légendaire. Merci, bonsoir à toi, merci d'être avec nous, mon ami. D'être là. Dommage que Nation a livré le jeu. Alors, Nation, j'ai vu qu'il s'était beaucoup concentré sur Cyberpunk. Et pour le coup, ça lui va bien, donc voilà. Je pense que lui, il a senti le vent tourner, il s'est dit, ça sert à rien de me forcer. Après, il a eu raison, hein. Mais c'est vrai que ça change de cette époque-là où le jeu était sorti. Et on se rappelle encore de ces noms qui faisaient beaucoup de contenu sur le jeu. C'était sympa. C'était sympa. Ça me fend le cœur, nous dit Drixé. Ouais. Ouais, mais on est d'accord. Mais sauf que quand vous reviendrez sur le jeu, Drixé, et on en avait déjà parlé, ce sera avec plaisir parce qu'il y aura assez de temps qui sera passé pour que. Tu respires un petit bol d'air frais, tu vois. Sacha le BG. Bonsoir à toi, BG. Merci d'être avec nous. Les gars RP comme toi pour faire une bande. Alors, Golden Jack, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Il y a un truc qu'il faut que je fasse. C'est que j'intègre un serveur RP sur PC. Mais c'est casse-bonbec. On m'a posé la question récemment via un commentaire. Et j'ai déjà voulu le faire, mais faut intégrer des Discord, faut remplir des questionnaires, faut justifier du fait que tu n'es pas un gamin. Alors, je comprends, hein. Mais les gars, ma déclaration d'impôt, je l'envoie en retard. Vous imaginez bien que ce genre de questionnaire, je me dis, j'y vais le faire, mais j'ai vite fait d'oublier. Et ça me frustre à chaque fois que j'y pense, parce que j'y pense le soir, fin de journée. Je me dis, fais-le. Tu sais quoi, demain, fais un tour sur le Discord. Essaye de rentrer en contact avec un gestionnaire du truc, avec un modo. Et essaye d'intégrer un serveur. Tu sais, ça pourrait être sympa, parce que je vois des vidéos, des replays de live Red Dead RP et tout. Mais je suis un putain de fainéant, je suis désolé. Namkun qui me dit, il y a toujours Tanaozu et SMP Level qui font du contenu aussi, effectivement. Effectivement, SMP qui font beaucoup de live autour de Red Dead et Tanauzu toujours autour des chevaux qui nous fait plaisir aussi. J'ai un bon serveur RP, Chilufar. Chilufar, je m'adresse à Chilufar et à toutes les personnes qui seraient en rapport avec des communautés RP sur Red Dead, donc sur PC, on parle bien. Venez me contacter en DM sur Instagram alors. Je sais que c'est un effort à faire, mais si vous m'aimez un peu et que vous aimeriez voir du contenu autour de Red Dead RP sur la chaîne, prenez contact avec moi sur Instagram et qu'on discute, qu'on échange, qu'on voit un peu clairement comment je pourrais faire pour intégrer rapidement ou pas forcément un serveur et qu'on puisse faire un truc, parce que voilà, ça m'intéresse, mais comme le dit Drixé, c'est de l'investissement de ouf. Écoute, combien le cheval? Je sais pas. 900? Ouais, c'est les chevaux à 900. C'est les chevaux à 900. Je suis nouveau, mais je sens que je touche la fin du online. C'est triste qu'il y ait peu de choses. C'est ça, insociable. Alors, insociable, toi, c'est particulier. Quel évrage, j'ai pas vu ton com, enfoiré.
Toi, tu as été très très rapide en termes de progression, hein. Parce que tu m'as dit rang 100 et quelques en une semaine ou en 2 semaines, c'est extrêmement rapide, hein. Mon perso, je ne l'ai pas fait. Donc pour le coup, tic 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 tic, une nouvelle salle à plante. Ah oui, et je vais juste regarder un truc avantage. Parce que je me suis fait carotte. Alors rappelez-vous, le mois dernier, on avait, la dernière semaine du mois de mars, un objectif qui nous demandait de valider 15 primes de chasseurs de primes pour obtenir en cadeau 3 lingots d'or. Ce que j'ai fait, j'en ai fait une vidéo même. Donc je les avais validés, hein, plus que ça, j'ai dû en valider une vingtaine. Et j'attends toujours mes 3 lingots d'or, parce que les 3 lingots d'or ne sont pas arrivés. J'étais dans le coffre en début de session. Je n'avais rien dans le coffre et là je me rends compte que je n'ai pas eu le ticket avantage, normalement sous forme de ticket avantage avec les 3 lingots que je n'ai pas eu. Donc je vous pose la question, mais je vais moi-même envoyer une note à Rockstar parce qu'il me semblerait que ça puisse arriver. Malheureusement. Le RPPC c'est pas ouf. Non, ce qui est pas Golden Jack, c'est pas moi. De ce que j'en ai vu, c'est vraiment pas mal. Hein. Le bonhomme vert, Arigato gozaimasu. Je sais même pas si c'est des kanji en fait. La plupart des gens sont bidons. Vraiment? Mais non, les gars. Plus cet été, Clumsy, je ne visualise rien du tout en termes de contenu, malheureusement. Mais un truc autour du rôle de rancher, moi, je trouve que ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est parti aussi pour. On a 2 cartes au trésor, donc c'est ce que je disais. On va se faire une télégramme. On va se faire une télégramme. Comme ça, pendant le temps de chargement, on pourra discuter un peu. Et donc, nous, on va se faire un nouvel employeur. Et on va se faire des affaires difficiles tout à l'heure. Histoire de voir si on a le niveau et quelles sont les plus abordables. Hein, parce que... On va se faire ça là. Parce que l'air de rien, des affaires difficiles, c'est pas facile. Tu vois? Ouais, le rôle de rancher, j'aimerais vraiment un truc autour du rôle de rancher. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, parce que les chevaux sont pas mis à contribution. Le fait de, pourquoi pas intégrer de nouvelles races de chevaux dans la nature, parce que les chevaux sauvages, ben, ça tourne autour de 3 races hein, dans Red Dead Online, qui ont tous les mêmes statistiques. Et je pense que ça pourrait être sympa de pouvoir intégrer ces chevaux sauvages avec des statistiques, pourquoi pas un peu améliorées, et la possibilité de les débourrer, d'augmenter les affinités, les stats, et de pouvoir ben, en faire du commerce, hein, tout simplement. Tu vois? Avoir notre propre écurie, guillemets enclos, tu vois? Je pense que ça pourrait être sympa. Alors, pour ce genre de mission, l'arc et les couteaux. Et on n'oublie pas les bandanas. C'est pour ça qu'on a mis le bandana à Tom. Bon, il est parti, mais bon. Le difficile, c'est pas facile. C'est exactement ce que je voulais dire. Oh, merci, t'as compris. Alors, la dernière fois que je l'ai faite, je crois que je l'ai faite plutôt pas mal. On va voir si on peut à nouveau la faire avec de la réussite. Je crois qu'il y a un ennemi en haut. Non, non, non. C'est un employé, hein. Est-ce que l'employé donne l'alerte? Pourquoi ne pas crafter de nouvelles selles exclusives? Ça pourrait être sympa. Ben, tu sais quoi, j'y avais pas du tout pensé, mais ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Non, je voulais pas la tuer. Non. Non, mais je voulais pas la tuer comme ça. J'ai oublié que j'avais l'arc. Merde. Bon.
Pas le choix, hein. Alors. Mince. Bon ben on va essayer, hein. Je vous garantis rien. Voilà ça que je vais prendre. Mais il prend pas la bonne arme, le bâtard. Mais vous avez vu, deux fois j'ai pris ma carabine Evans, il a pas pris la carabine Evans. Désolé. Prends ta putain de carabine Evans, frérot. Ah, ça commence bien. Ah non, c'est pas ici. Ah, ça y est, je suis plus concentré. Ah, j'ai fait une... Alors. Saute. Non. Pas moi de sauter. Non. Bon. Non, mais je suis plus concentré, ça y est. Pas concentré. Voilà, on va faire un truc. On va faire un truc. Voilà. Alors, on est bon. Mais je vous promets, il fait n'importe quoi là. Frérot, tu fais quoi, frérot? Frérot, tu fais quoi, frérot? Frérot. Le pompe, ça aurait pu le faire, en fait, le pompe. On va la rejouer. Allez, on commence. Vous n'avez rien vu. Il y avait un leak. Alors, il semblerait que ces leaks-là, hein, c'était des blagues. C'était bien parti. Cooper, ah, Cooper, je l'ai dégoûté. Cooper, il est arrivé, il était motivé, tu vois. Passe une bonne soirée, merci d'être passé dire coucou, frérot. Non, non. Alors, on va faire ça bien. J'ai voulu me presser parce que le mec qui était à l'entrée, en vérité... Est-ce que je peux rentrer par là? Je me dis que non, non, ça va être compliqué. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais tous les buter. Flichtube, bonsoir à toi, frérot. Merci d'être avec nous. Personne qui a vu, non? Il a vu quoi, lui? Il a rien vu du tout. Est-ce que elle, si elle me voit, elle panique ou pas? Elle panique, on est d'accord, hein? De paniquer. Pourquoi tu veux me cramer? Je voulais pas la taper, hein. Alors, on peut très bien tirer. On peut très bien leur tirer dessus sans enclencher le sang-froid, mais
L'air de rien, c'est quand même un confort pas négligeable. Est-ce que seulement il bosse sur le jeu? J'aime bien, je lève les yeux, je vois. Je prends le pompe, oui, j'avoue. Ouais, j'aurais dû prendre le pompe à la place du. De la carabine Evans, puisque de toute façon. Puisque de toute façon, c'est en intérieur, donc ça aurait pu faire la diff, effectivement. Il en place sur moi, lui. Ouais, je regarde, mais il me sent pas quelque chose. Alors, t'as testé la lame météorique? Non, je l'ai pas encore testé, frérot. Tupac Forever, bonsoir à toi. Merci, frérot. Merci d'être avec nous. C'était la maison de l'Italien dans Red Dead Redemption 2. Lui, il bouge pas ou quoi? Je prends quoi? Je prends les escaliers principaux. Je sais même plus. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fait. Double rivière sanglante, c'est abusé sur Elden Ring. J'ai vu, mais t'as vu, ils ont dû nerf plein d'armes parce qu'il y avait des builds, c'était juste un truc de fou. Ouais, ça va un peu mieux là. Mais bon, attends, je vais pas m'enflammer puisque vous savez comment ça finit avec moi ces histoires. Prends la montre à gousset, prends. Nightfall, salut à toi, merci d'être avec nous. Si j'en ai loupé, hein, vous m'excuserez. Aiguille sur Elden Ring, pas mal aussi avec l'aiguille de. Bad Badak. Ah, ça parle. J'aime bien parce que l'air de rien. Voilà, cette chaîne, on n'est pas censé être des professionnels de ce genre de jeu, mais vous êtes plein à me donner des conseils. Et pour le coup, c'est juste kiffant de voir à quel point ce jeu a réussi à animer des passions chez des joueurs qui n'étaient pas forcément clients. Tu vois? C'est quoi le nom de cette mission? C'est Effraction Fructueuse. Voilà. Bon, maintenant, attendez. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, il y a moyen de taper la fuite par là. Voilà.
Il fallait un petit coup, il fallait un petit coup histoire de se refaire la main. Je suis désolé pour le premier essai, il était foireux, mais celui-là il est pas mal. Elden Ring, c'est un phénomène. Ouais. Jamais fait un Souls et Elden Ring, c'est une dinguerie. Non, mais c'est exactement ça, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui découvrent ce style de jeu avec Elden Ring et qui sont à fond dedans autant que des joueurs qui ont commencé avec le premier. Avec le premier Dark Souls, avec le premier Demon Souls. Ouais. Il y a même, pour ce que je rappelle, la chaîne de Bla420, que je salue au passage, qui a fait toute une playlist d'astuces, de guides, de trucs autour du jeu, alors que c'est pas du tout son style de jeu de base, tu vois. Donc autant vous dire l'intérêt et le comment dire, la façon dont le jeu a réussi à fédérer, en fait. Aïe! De voler ou de tuer des femmes de ménage d'une maison ne me dérange pas. Mais de ne pas nettoyer ses bottes. Non, mais c'est à cause de Bender, s'il m'a déconcentré, l'enfoiré. Mais de pas nettoyer tes bottes pleines de purin avant d'entrer me dérange un peu. Question d'éducation. J'arrête avec vous, j'arrête. Ah non. Là, j'ai dû tuer des trucs. J'ai fait quoi encore? Je les ai assommés. Je les ai pas tués, je les ai assommés. RND PC ou PS? Là, je suis sur PS5. Sur PS5. Namcune, les Souls-like, c'est pas des jeux qui brillent par leur qualité graphique. Ils brillent surtout par leur qualité de game design, de level design et de direction artistique. Genre, juste, c'est juste ça, tu vois. Je l'ai dit de façon. Bon, beaucoup de défauts, un peu de qualité, tu vois. Mais en fait, je suis tombé sur les tweets. Y a des membres d'équipe de développement de chez Ubisoft et de je sais plus quel studio qui sont pleins sur Twitter en. Ouais, comment ça, les joueurs encensent le jeu alors que les animations, le sale. Et je me suis dit, mais. Ils ont rien compris à l'histoire, c'est con en fait, tu vois. En fait, From Software, du game design de fou, tu vois, vraiment je rentre le level design dans le game design, puisque globalement, c'est un calcul de fou. C'est-à-dire, la façon dont ils travaillent leurs environnements, leur map, le placement des ennemis, le placement des objets, etc. C'est juste un truc de malade. Et derrière, la direction artistique, parce que c'est dégueulasse d'un côté, mais c'est poétique de l'autre, c'est juste magnifique. Tu vois, quand t'arrives, tu ouvres les portes au tout début du jeu, Namekine, tu verras si tu joues. Mais quand tu commences le jeu après la zone tuto, et ça s'ouvre, et tu vois le truc, et tu dis, là je vais y aller, là je vais y aller, là je vais y aller, là je vais y aller. Tu vois, tous les trucs que tu vois au loin à l'horizon, tu vas y aller, et c'est juste un truc de malade. Et j'ai pas vu comment j'ai gagné. J'ai gagné combien? Est-ce que quelqu'un a vu j'ai gagné combien? Sur PS4, il vaut 60 balles. Ouais, dans tous les cas. Dans tous les cas. Par contre, est-ce que si tu prends la. Je sais pas. Est-ce que si tu prends la version PS4 et que tu et t'arrives à te procurer une PS5 dans 3 mois, est-ce que tu vas devoir payer la version PS5 ou est-ce que l'upgrade est gratuit? C'est ça le truc. Vu que c'est pas le même tarot. Tu vois? Les réponses à cette. Ouais, elles étaient pas mal. Ils se sont fait tuer. Ils sont morts dans le film. Alors, 26 $? $26. $26. 26 $. 24 pépites. Okay. Ubisoft, il réserve la même soupe froide tous les ans. Du coup, c'est Jean-Michel en Égypte, en France, chez les Vikings, chez les Romains. C'est ça, c'est le gros problème. Ce qui m'a fait arrêter les Assassin's Creed, c'est ça. Hein. C'est ça. Alors que j'aime beaucoup. L'ergonomie des jeux Ubisoft. Récemment, j'ai joué. Ouais, RND, on y arrive justement. C'est pour ça que vous me voyez sur le téléphone. J'ai sorti mon téléphone. Récemment, il y a eu un week-end gratuit sur Far Cry 6. Comme je suis radin, vous me connaissez, ben, j'ai téléchargé, j'ai joué. J'ai kiffé.
Alors que le dernier Far Cry auquel j'ai joué, c'était Far Cry 4, que j'ai même pas fini parce que je l'avais fait juste derrière Far Cry 3 et ça me paraissait redondant. Mais là, Far Cry 6, j'ai surkiffé. Pourquoi? Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que j'ai surkiffé? Tu vois? Pourquoi, alors que je me plains de la recette, de la tambouille Ubisoft, j'ai kiffé? En fait, j'ai joué à des jeux un peu exigeants. Surtout Elden Ring, hein. Il est agréable, mais il est très exigeant, hein, parce qu'il te demande de te concentrer, de noter l'utilité des objets, de faire tes calculs, d'être courageux, d'être persévérant, etc. et tout. Et en fait, compte, quand j'ai joué à Far Cry 6, tous les objectifs sont sur la map. Les objets à collecter, ils sont sur la map. Les missions, elles sont claires et nettes, t'es accompagné. Alors, c'est un défaut d'origine, hein. C'est quelque chose que je peux critiquer dans un jeu. Mais en fait, Far Cry 6 m'a reposé. Et sur le coup, je me suis, j'ai pris du plaisir. Et en fait, plus que est-ce que le jeu est bien, est-ce que le jeu est mauvais, est-ce que c'est un jeu pour casual, est-ce que c'est un jeu pour pro-gamer, et si et ça, il y a aussi le moment où tu joues au jeu. Est-ce que sur l'instant T, tu as envie de jouer à un jeu où tu vas mourir toutes les 10 minutes et où tu es obligé d'être comme ça, fixer ton écran parce qu'il faut être concentré, la moindre erreur va être punie. Tu vois, est-ce que c'est le moment où t'es peut-être dans une phase où t'as plus envie de. Tu vois, je joue couché. Non, mais des fois, je joue couché, j'aime bien le dimanche. Le dimanche, je me lève le matin, je prends mon petit déj quand j'ai rien à faire. Je me couche ici, hein, ici, et je suis couché sur mon petit coussin. J'allume la console et j'ai envie de jouer à coucher. J'ai envie de jouer couché, pardon. Mais tu peux pas jouer couché à Elden Ring. Va jouer couché, toi, Elden Ring, les pieds sur la table. Tu vas te faire manger. Elden Ring, c'est le genre de jeu ou truc. Ben Far Cry, j'ai joué couché. Et en fait, même en thème, hein, j'ai joué couché quand j'ai joué. Et en fait, ça t'en dit beaucoup sur le style de jeu que c'est. Tu vois? Le goût de la gratuité a toujours été plus. C'est un petit fumé comme ça, tu vois? Et voilà, de ce fait-là, ça détend, c'est moins prise de tête. Et je pense que les jeux Ubisoft, que ce soit Assassin's Creed Valhalla ou Far Cry 6, eh ben, c'est des jeux. Popcorn, tu vois, qui joue pour pas te prendre la tête, tu vois, et voilà. Mais ça n'empêche que ça reste des bons jeux quand tu regardes. Il est complet. Moi, j'ai kiffé en voiture avec la musique, la salsa et tout. La version de Bella Ciao, je n'aime pas cette chanson. Alors, je n'ai pas d'affinité avec cette chanson, surtout la série de laquelle elle a été popularisée et tout. Des jeux de chevet, exactement, hétérotactile. Bonsoir à toi en passant. Et là, cette version-là, en mode salsa, tu vois, j'ai kiffé dans la voiture, il fait beau, je me suis senti à Cuba, les gars. J'ai joué, bah, c'était exotique, je me suis un peu évadé. Et en plus, comme on disait, j'ai que très peu perdu sur, je sais pas, une dizaine d'heures de jeu, tu vois. C'était sympa. Si c'est gratuit, c'est que c'est dans ton budget. Hein. C'est ça, Gizmo. Salut, Dinjarin. Il y a du nouveau sur Red Dead Online? Pas du tout. Pas du tout. On essaie de créer du nouveau, mais voilà, non. Les jeux vidéo, c'est comme les films. Il y a des moments où on veut de l'action, de la comédie, des choses légères ou profondes. Foncièrement, les jeux ne sont pas mauvais, ils ont juste une cible, exactement. Et nous-mêmes, on peut représenter plusieurs cibles selon notre état d'esprit du moment, etc. Mais on est d'accord. Elden Ring, c'est un jeu de guerrier du mental. Ouais, Par contre, il est satisfait. J'ai pas de bottes. On est en direct, les gars. On est en direct. On est en direct. Je lui ai mis des bottes. On est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous confirmez, s'il vous plaît? Est-ce que je lui ai mis des putains de bottes ou est-ce que je lui ai pas mis des putains de bottes? Hein? Je continue Evil Genius 2. Mouh, Evil Genius, il est magnifique, Dinjarin. J'aurais pu me le faire offrir, mais Casa de Papel. Clumsy Arrow, moi j'ai du mal avec les séries, tu vois, même Squid Game, moi je suis tombé sur Squid Game avant que ça éclate. Mais si j'avais appris la hype avant de découvrir la série, j'aurais pas regardé Squid Game. J'ai du mal avec ces trucs-là. On est d'accord, les gars, il s'est fait péter ses bottes. Non, mais je dis rien, je dis rien.
Là, 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 là. Non, mais je regarde juste un truc, vous m'excuserez, hein. Autant pour moi. Non, les gains ne sont pas doublés sur l'émission Telegram à un nouvel employeur. J'ai eu peur. Je me suis dit, mais ils se foutent de la gueule du monde, enfin. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va lancer un palefroid à l'œil, puisque si je valide une mission palefroid à l'œil, donc une mission Telegram palefroid à l'œil, je vais pouvoir bénéficier d'un ticket de réduction de 50% sur l'achat d'un box pour chevaux. Pour le coup, ça va être plutôt intéressant. Et donc, oui, pour en terminer avec pour l'infiltration, pas de bruit, pas de saleté dans les bottes. Ouais, c'est ça en fait. Là, là, là. Alors, Gavroche, hein, foutez-vous de sa gueule. Le Evil Genius, ouais. J'avais découvert Evil Genius via une vidéo du joueur du grenier. Donc on confirme. Là j'ai remis la tenue que j'avais à l'instant. Et j'ai des bottes. C'est que il y avait bien des bottes sur la tenue, c'est pas un bug. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Je voulais faire ça. Je voulais faire un palefroid à l'œil. Et je voulais. En fait, je voulais faire une autre mission. On va juste aller voir ce qu'il y a là-bas. Et oui, en fait, Evil Genius, pour résumer, c'est un jeu où t'es un génie du mal et tu dois construire ta base sur une île. Alors le 2, je sais pas exactement c'est quoi le délire, mais en gros, tu dois... T'es un méchant dans James Bond, en gros, c'est ça. Et c'est un jeu de gestion. Ouais, et autant dans la mission, ben tu te fais pas redave, là personne m'a vu mais tout le monde m'a capté. Et en fait, ouais, cette problématique de l'arme qui demande, voilà, d'attendre que le curseur soit rétréci comme il faut, parce que sinon. Voilà. Ah, quand tu prends ton temps. C'est sur PC normalement. Mais c'est possible que ça soit sorti sur console. Et Breaking Bad, meilleure série ever, évidemment. T'inquiète, je l'avais vu le commentaire, le message, frérot. DLC Conquête Océanie, Génie de glace et DLC. Je kiffe. Ouais, tu m'étonnes. Après, ça demande un peu de temps, hein, d'investissement, les jeux de gestion. Mais honnêtement, il y a des jeux de gestion. C'est juste un kiff, les sensations que ça procure. J'aime beaucoup, mais voilà, ça demande du temps. Et Monsieur Bob Blackor, hello, bonsoir. J'étais sur Elden Ring, heureusement Monsieur Drix a géré les hot-tops, sinon vous allez liker les mecs. Mais vous êtes tous sur Elden Ring, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous jouez tous à Elden Ring? On va refaire une intro, les gars. On va se mettre en mode Elden Ring. En tout cas, merci d'être avec nous, Toto. Salut, mon pote. Lui, il aurait bouffé tout cru. Et c'est Blooping qui nous rejoint, donc l'équipe est au complet, les gars. Bonsoir à toi, capitaine. Merci d'être avec nous. Ils ont senti l'odeur. C'est ça, en fait. Ah. Qui ne joue pas Elden Ring, je te jure, ça, c'est ça la question. Quoi? Un bureau de chérie. Ah, putain, qu'est-ce qui m'a pris? Allez, on va faire un qui vient. Grimpe, frérot, viens. Sors de pas fatiguer le cheval, en fait. Fais gaffe, Regan, je te renverse aujourd'hui. Alors, on va le ramener à Rhodes et on lancera un palefroid à l'œil. On fera une affaire difficile. On fera l'émission difficile tout à l'heure. Il y a des nouvelles missions. Alors, ouais, il y a les missions Telegram, justement, Dinjarin.
Il y a l'émission Telegram qui rapporte des récompenses triplées pour ce qui va être des missions difficiles. Et sinon, deux, trois bonus. Alors, je te dis la vérité, j'ai fait la newswire, mais j'ai oublié la plupart des bails, pour le coup. C'est ta faute, merci. Ça va, je le prends comme un compliment. Le gang des modernes, dit Bender Games, c'est ça exactement. Problème de son. D'ailleurs, Elden Ring, la zone de Kaelid, elle m'a terminé, les gars. J'ai peur de lancer le jeu, carrément. Proder, restez, bonsoir à toi. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'être avec nous. Alors, j'en profite, hein. J'ai mon petit paquet de bonbons. J'aime bien parce que les fils, les bonbons fils, ils te les vendent, mais ils sont tout emmêlés en fait. Ah, merci. Le mec, ça n'est pas dégueulasse, le gars, il traîne comme ça. Surpuissant. Bob, tu vas donner des conseils, hein? Merci, Bad. Prends un peu de gluten. Mais en fait, Flishti, ce qui me dégoûte le plus dans Kaelid, c'est l'ambiance de Kaelid, je pense, tu vois. C'est juste dégueulasse, cette zone. Elle est putride. Déjà, ça veut tout dire. Mais oui, j'imagine quand je vais monter dans le nord, ou même l'académie, à ce qui paraît, je vais me faire marcher dessus. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui jouent à Elden Ring, le jeu avec le plus de contenu du monde, mais la générosité de ce jeu, c'est juste un truc de fou. Il y a un énorme gap par la suite. Pour ceux qui jouent à Elden Ring, dites-moi, vous êtes dans quelle zone? Rapidement, vous mettez le nom de la zone et le rang. Et le rang dans lequel vous êtes. Ça m'intéresse parce que je suis en train de comparer un peu ma progression par rapport à mon rang et je me suis rendu compte que j'ai pas le rang requis pour les zones dans lesquelles je suis. Je suis rang 50, je crois, tu vois. Arbremonde, t'es loin. Niveau 123, c'est pas tant que ça, je viens de te dire, non? Ensuite, on va faire un froid d'enfer. Arbremonde, donc c'est pas Arbremonde mineur, c'est Arbremonde le bordel, quoi. C'est tellement loin pour moi, Arbremonde, en fait. Je vois, oui, mais je te dis rien. Il y a une zone qui est particulièrement horrible. Pire que ça, ok. J'ai pas trop galéré, non, ok. Moi, je suis 40 avec. Mais je suis un slow run. Ouais, t'es comme moi, toi, Adrixé. J'étais à peu près comme toi. Ouais, Lac Luria, ouais. J'ai pas Elden Ring, Eversi. Comme il a dit Gad Elmaleh dans le sketch de la cigarette. Mais vous attendez quoi alors? Désolé, je ne fume pas. Mais qu'est-ce que t'attends pour commencer? Rançon, je suis à la dernière map, pas de badac. Non, ça va. Il est exigeant, mais il te le rend bien. Vraiment, c'est le truc qu'il faut retenir, c'est que Elden Ring, il va être difficile par moment. Mais lorsque tu vas triompher des épreuves, il va être très généreux avec toi. Il te récompense de ouf, tu vois. Level 106 entre Kaelid et les zones sous terre, Flishti. Ok, ouais, je suis légèrement en dessous. Tilufar 113. Arbremonde, ok. J'ai tué 15 super boss. Pareil en vérité, Bob. Je tuais Godric, mais j'ai rien battu de plus.
Là, je vais aller au château au sud de Kaelit. Je sens que je vais galérer. Clumsy qui nous dit, je trouve encore une fois le contenu du mois et pas ouf sur Reddit. Clumsy, je viens de te dire que c'est encore pire que le mois dernier. Le mois dernier, ça allait parce que c'était vraiment des trucs rentables. Hein. Parce que l'air de rien, regardez, j'ai fait un peu d'argent. Francis Corazon, c'est un galérien. Hein. Au début du mois de mars, j'avais cacahuète. Et les 2-3 petites séances de jeu que j'ai fait pour effectuer les 15 trucs, ben, je suis passé à 2000 dollars. Là. Quel contenu. Et vas-y, tu vas rattraper mon let's play. Honnêtement, je pense. Je pense parce que je me souviens quand j'ai commencé mon let's play Atomium, on était à l'épisode 2 ou 3. Là, il doit être à l'épisode 40 de son let's play. J'en suis à l'épisode 25, 26, tu vois. Mais pareil, vu que je joue à d'autres jeux. Alors, pas le froid à l'œil. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on l'a tenté, on avait galéré. Alors, nous, on va là-bas. Mais c'est ça en fait, c'est tout l'intérêt je pense, c'est de faire les donjons, les mines et tout. Voilà, putain, je suis sûr qu'il est en face. Je suis sûr qu'il est en face, les gars, on va galérer. Alors, si parmi nous, il y en a certains qui ne connaissent pas cette mission, le but, ça va être de choper un pur sang arabe blanc et de le ramener au destinataire. Il y a trois emplacements sur lesquels le cheval peut être. Putain, on voit rien. Soit au niveau de ce bâtiment là duquel j'ai fait le tour, soit la grange qu'il y avait en face, qui est la variante la plus difficile qu'il y a de l'autre côté du petit chemin, soit dans un enclos juste ici, qui est la variante la plus facile, mais me connaissant, je n'aurai pas la variante la plus facile, sinon ce serait trop facile. Ah, il est là, putain! Oh, j'aime bien me porter la poisse dans ce sens-là, oui! Le but serait de fumer lui en fait. Voilà. Faut juste pas que. Ah putain, mais il y a lui là qui va passer, il va le capter. Jean-Martin, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Ça se transforme en live Elden Ring. Sous couche de. J'aurais dû mettre la vignette de RDO et on aurait fait le bail de. Sur Elden Ring. J'ai la possibilité de. Ils vont me péter les enfoirés. Bien, mange, 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 mange. Ça va te faire du bien. Voilà. Mange, mange, mange. Voilà.
Ah oui, c'est ce que je voulais faire, attends. Si rien ne sert de courir, hein. Regardez ce que je vais faire. Voilà. Et en fait, on prendra la carte passive numéro 2. Après, vous m'y ferez penser si j'oublie. Enlève-toi, 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 enlève-toi. Il va me buter, l'enfoiré. Il joue avec moi. Il joue avec moi, l'enfoiré. Ah, tu veux jouer? Tu veux jouer? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Tu veux jouer? Concentre-toi, 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 concentre-toi. Viens, 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 allez, on va t'apaiser. Allez, viens. Viens. Ça y est, il est énervé. Viens ici, je vais me faire cramer bêtement là. Je veux pas, hein. J'ai ma parole, plus vénère du guet. Mais il se moque de moi. Viens ici. Je vais arrêter de rigoler avec toi. Viens là! Ouais, doucement. On va aller comme avec Arthur. Good boy. Oh! Mais ameute tout le monde! Hey, folks. Allez, allez, allez. Allez, on se concentre, 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 on se concentre. Vas-y, 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 vas-y. Oh l'enfoiré! Je vais bien l'avoir, merci. Faut le débourrer, petit. Faut le bourrer. Hey boy, come on boy. Il est énervé. Ah, je t'ai nourri là. Je t'ai donné des carottes là. Tout est dans le joystick. Oh, je sais, mais on en a débourré plus d'un. Même cette mission-là, je l'ai faite au moins 5 fois. Mais là, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il veut pas. Les deux sticks en arrière en suivant un peu le mouvement, sinon. Non. Bah, c'est ce que je fais. Non, il est têtu, il est têtu. Allez. Non, mais en fait, normalement, avec cette carte-là.
C'est bien. Allez, on va se barrer. Ouh, c'était quelque chose, hein. Mon fils, c'est qui commande dans cette prairie? Pas mal. En fait, moi, ce que je fais, c'est je tapote carré et joystick gauche vers le bas. Et comme tu disais, Namkun, je suis légèrement le mouvement. L'IA l'a même pas péta. Tristam, salut à toi, frérot. Oui, j'avais testé Subnautica à l'original. Il avait été offert avec, je sais plus quel mois, du PS Plus. Et effectivement, je l'avais testé, très bonne découverte. C'est d'origine, c'est pas du tout mon kiff. Alors j'aime bien tout ce qui est marin et tout, tu vois, vraiment aquatique dans la vraie vie. Putain. Par des documentaires, des trucs comme ça et tout. Mais comment dire? Le type de jeu ne me parlait pas. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est un jeu qui est tellement agréable à prendre en main que ben, ça devient passionnant. La faune marine, c'est juste un truc de fou. Franchement, c'est un jeu que je conseille pour ceux qui l'ont téléchargé avec le PS Plus. Hop, qui ont pu le récupérer avec le PS Plus, pardon. Alors, j'évite les routes parce que je me suis rendu compte que dans ce type de mission, les ennemis étaient gérés par des scripts qui faisait que quand tu passais via certains endroits, et ben t'avais des ennemis qui popaient, qui apparaissaient. Donc j'essaye d'éviter un peu la route, histoire de. Et là normalement je pense qu'on y est, donc ça devrait aller. Subnautica, je l'ai fini et Below Zero, c'est ça, non? En tout cas, ouais, très bon jeu de survie. Alors, encore faut-il aimer des jeux de survie, tu vois. Duke, elle a une belle robe, ça marche en boîte. En plus, c'est vrai. Wow, wow. Genre, je gratte du temps comme si... comme si j'allais faire plus d'argent, tu vois. Ah, mais No Man's Sky, ça fait partie de ces jeux que j'avais suivis, comme en thème, hein, que j'avais suivis pendant leur développement, mais qui ont été des pétards mouillés à leur sortie, ce qui veut dire que, voilà, que je les avais pas achetés, et j'ai appris plus tard que, à ce qui paraît, ouais, No Man's Sky, c'est une dinguerie carrément. 32 pépites. Mais on n'est pas en triple gold. On est en triple dollar et XP. Ah non, 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 excusez-moi. Non, on est en rien du tout. Non, on est en rien du tout parce qu'on est sur les missions de base. C'est les trucs difficiles qui sont... Ouais. Ferradi Feldman Fila, hello depuis le Sénégal. Hey, bonsoir à toi. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup pour ton salut. Merci beaucoup de t'avoir avec nous. Merci. C'est cool. J'aime bien quand vous me dites je viens de là, tu vois, c'est loin, c'est moi je voyage sur la vie de ma mère, je voyage, les gars, tu vois. Et pour le coup, ça fait plaisir. Non, mais les missions Telegram, hein, je vérifiais s'il avait encore ses bottes. On sait jamais. Ok. Below Zero, c'est Subnautica 2. Mais en fait, c'est Subnautica 2 ou c'est un DLC? Eric Zemmour et lui dire que le terrain était à toi, il serait rentré à la maison direct. Merci Jean-Martin. J'avoue. Koneski, bonne nuit la team. Je décroche pour manger et dormir avant de retourner enfermer des gens demain. Escape game. Mais vous précisez, profitez bien et oublie pas la carte. Ouais. Merci Koneski. Je sais pas si tu travailles dans un escape game ou si tu dois faire un escape game. En tout cas, bon courage, hein, dans les deux cas. Et bon à savoir, c'est sympa. J'ai jamais fait d'escape game. Je jouais à l'époque des premiers smartphones. Il y avait une mode des jeux, des escape games en jeu. Et je kiffais d'autant plus que je surkiffais moi à Saw.
premier Saw, je l'ai découvert quand il était sorti un peu en. Parce que Saw, il est sorti en parallèle du circuit. Et je me souviens que j'avais surkiffé ce film. Genre, je prêtais mon DivX comme si c'était un DVD au genre, mais tu me le rends et tout, des trucs fous. Et j'aime beaucoup. Dommage que. Dommage, j'en ai jamais fait en vrai. Tu me dirais avec mon équipe. En tout cas, passe une excellente soirée. Bon courage pour le réveil, je te le disais. Repose-toi bien et bon appétit, parce que c'est vrai qu'il commence à faire faim. Moi aussi, faut que je fasse la deuxième mi-temps. Là, je recommence à avoir la dalle. Bello Zero, tu construis de grandes salles avec plafond vitré. J'ai geeké, tu m'étonnes. Ouais, tu te fais ta propre petite base avec des trucs vitrés pour que tu puisses admirer le paysage. Ça va être pas mal. Tu crées des salles et t'enfermes des gens dedans. Ok. Donc t'es concepteur de alors de quoi? Pas de salle, parce qu'un escape game c'est plusieurs salles, mais d'histoire en fait, d'histoire escape game. Tu fais quoi comme métier dans le jeu? Joue surtout de bonsoir à toi déjà. Là je suis chasseur de primes, parce qu'en fait, alors je rappelle à ceux qui seraient arrivés là récemment, mon personnage est rang 29 en haut à gauche, donc c'est un tout nouveau personnage et on essaie de redécouvrir le jeu de façon optimale, histoire de récupérer assez rapidement les différents rôles, les différentes ressources, etc. 2 000 $ alors que j'ai acheté un cheval plutôt pas mal. Et voilà qu'on commence à se faire la main. Généralement, ce qu'on fait, joue surtout, c'est que on profite des bonus de la semaine. Là, les bonus de la semaine, ils sont autour des missions Telegram. D'ailleurs, on va en lancer une très rapidement. Et donc, voilà. Ça va l'ami, j'étais en période câlin chat, j'ai mis du temps avant le coucou, mais je me rattrape. Le grand Bobby, j'ai pas vu que t'étais là. Travail en Ukraine. Ah, Flichti, Flichti, ce taquin. Alors, là-bas, c'est quoi? C'est un criminel, non? Problème, ils vont me dire ramène-le là-bas, non? Ils vont me dire ramène-le à Rhodes ou à Valentine. Non, c'est trop long. C'est trop long. On s'en fiche. Alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a dit qu'on allait s'acheter une nouvelle carte de compétence. Ici, je vais récupérer ma carte d'origine. Évidemment. Carte que je peux déjà améliorer, ce qui va être sympa, pourquoi pas. Je vais peut-être attendre d'avoir des tickets avantage, on verra. Et donc, on a notre carte passive qu'on va pouvoir prendre. Je ne vous pose pas la question, je vais juste vous expliquer le build que je vais, sur lequel je vais partir en attendant de pouvoir débloquer toutes les cartes, évidemment. On verra. Sur la même planète, mais au pôle nord ou sud, je sais plus, Tristam. Ok. Nouvelle histoire et nouvelle. Ok. Ouais, ça a l'air. Mais il faudrait déjà que j'avance sur le l'original, parce que. Voilà, je répète, j'ai eu une très très bonne expérience. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai? On va juste analyser. Là, j'ai dans le collimateur, je peux marquer les ennemis, on connaît. Là, j'ai combattant. Mon sang-froid se régénère très lentement avec le temps. Ça va être sympathique à terme, une fois que je l'aurai augmenté au niveau 3. Et là, il m'en faut une autre de ce genre-là, je pense. Où, soit après avoir subi des dégâts, ma vie commence à se régénérer plus vite. Ça pourrait être sympa dans un premier temps. Soit à chaque fois que je subis des dégâts, je récupère un peu de sang-froid. Ça peut être sympa aussi, mais c'est pas le but de prendre du dégât. L'énergie, on s'en fiche. Et œil pour œil qui va me permettre, après avoir mis un tir en pleine tête, de restaurer un peu mon sang-froid. Ce qui peut être d'autant plus intéressant. Alors celle-ci, on va pas s'arrêter dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a. Quand on est à couvert, quand on sprint. Qui diminue plus lentement, ouais, pourquoi pas. Et pour le reste ici, pas grand-chose. Voilà. En tout cas, pour les cartes de compétences qui sont disponibles, hein, je le répète, qui sont disponibles, on parle pas de celle-ci. Celle-ci, elle est juste magnifique. Chaque tir consécutif qui touche la même cible inflige un peu plus de dégâts que le tir précédent. L'effet prend fin, là, là. Et à terme, tu infliges plus de dégâts ou beaucoup plus de dégâts. Donc ça, c'est le type de cartes qui peuvent être juste magnifiques. Mais ce n'est pas le but, vu que de toute façon, on n'a pas encore le prérequis. Nous, apprendre œil pour œil, pourquoi? Ça va nous permettre de récupérer du sang-froid et d'utiliser notre sang-froid, tout simplement, plus longtemps. Donc on va prendre celui-ci, enfin celle-ci plutôt.
Je suis en train de me demander si j'attends véritablement d'avoir des tickets avantage ou je commence pas à améliorer mes trucs maintenant. Je vais juste checker qu'est-ce qu'on a en récompense. J'ai récupéré une carte au trésor, je sais pas d'où. Ah, j'ai des cacahuètes, j'ai des cacahuètes. Ça m'avait ruiné de monter TK. Ouais, je confirme, RND. De ouf. De ouf, c'est. Pour ça, je me dis, est-ce que j'attends. Parce que, je vais vous expliquer. Le problème, c'est que ce putain de jeu, régulièrement, il te donne des tickets avantages. Il t'offre, en échange de prérequis, évidemment, des tickets avantages qui peuvent être très utiles. Sauf que moi, systématiquement, les tickets avantages qu'il me donne, c'est des tickets avantages qui m'auraient été utiles quelques jours avant. Parce que j'ai déjà effectué la dépense et donc le ticket ne me sert à rien à la fin. Ce qui veut dire que j'hésite, en fait, j'hésite. Ce serait plus intelligent de ma part d'augmenter les cartes maintenant pour pouvoir les améliorer le plus vite possible. Mais je sais pas. J'ai réfléchi. Subnautica 1, le gros sous-marin, c'est le feu. Hein. Donc, je vous laisse discuter parce que moi, vous êtes allé trop loin pour moi. J'adore ta tenue carabinier avec John Casman. Merci beaucoup. Surtout, c'est une de mes tenues. C'est une des tenues dont je suis le plus fier. Merci. J'en avais fait une vidéo ou pas, surtout. Est-ce que j'ai fait une vidéo où je confectionnais la tenue ou pas? J'ai oublié. Parce qu'effectivement, ça vaut le coup. Maintenant, j'ai l'impression que ça va se faire rare, comme on n'a plus de passe. Ça dit que c'est encore le ticket avantage. Ouais, j'avoue que les passes, ça accélère le truc. C'est comme on appelle un chat qui conduit un train. C'était ouf. Un cheminot. Ah mais il est bon RND. On était dessus. Moi je l'aurais validé. Je l'aurais validé la réponse. J'ai fait une vidéo. Ok, ça marche. Faut que je fasse ma tenue de rancher. Je crois pas que je l'ai fait. C'est quoi les gars? On est des ouf. Allez, on améliore. On n'a pas le temps de niaiser. On va améliorer ça. On va améliorer celle-là aussi. Tant qu'on y est. Alors, on a de l'argent et faut bien que. Cet argent investi, ça va être de l'argent qui va nous revenir de toute manière grâce à ces cartes. Donc voilà. Ça fait la grève des cheminots. Nul sur 20. Valide. Non, moi je valide, je valide. Si t'en as d'autres, frérot, je suis là. Qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est ça ce que je voulais faire et que j'ai oublié de me noter. On va aller checker un petit peu les récompenses, puisque les récompenses, l'air de rien, vont pouvoir, pourquoi pas, nous rapporter un peu de gold. Alors, à ce niveau-là, je sais pas. On va voir. On est loin. Ramener le criminel recherché mort. Vingt-six, ça va. Alors, 20 tireurs. Ok. Pour les autres, on est un peu loin. Je vais rapidement checker. Voilà, on peut récupérer déjà tuer des ennemis, effectivement. C'est toujours ça de pris. Sachant que je ne me concentre pas dessus, mais que d'ici le prochain live, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les défis de récompense qui vont être les plus simples à faire et on se les fera en live histoire d'accumuler un maximum de gold. Ça pourra le faire aussi. Parce que le délire de tuer type de trois poissons d'un coup là, et t'envoies tes dynamites dans un lac, y a pas plus facile, tu vois. Ouais, y a pas grand-chose. Ou bien il y a les trucs à cheval où tu dois faire, je sais pas, Valentine Road le plus rapidement possible. Ouais, on n'a rien. On est vraiment au début du jeu, à l'air de rien. Maximal, ok.
5 chevaux de race unique. Voilà, c'est des trucs que tu les feras à terme, cela. Survivez à une chute de 10 mètres avec votre cheval, vous voyez? Mettre tomber 3 sur 10. Là, si je me concentre dessus, ça va me prendre 10 minutes, tu vois. Mais Bob, en plus, ces tickets avantages, ils périment au bout d'un moment. Tu vois, ils vont périmer au moment où t'en aurais éventuellement eu besoin, tu vois. Alors, on n'a pas grand-chose, on n'a pas grand-chose. Allez, on va lancer la mission compliquée. Allez. Voilà. Donc, alors. Donc, carte au trésor. On a 3 cartes au trésor qu'on pourra faire plus tard. Vous me direz, ça vous intéresse. D'autant plus que je galère. Des affaires difficiles. La blague du CCC, le comité contre les chats. Ah, c'est les blagues d'anciens. Pour ceux qui sait ce que c'est le CCC. Télévra. Bonne soirée. Bonne soirée, mon ami. Je suis en train de manger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, comme d'habitude. Merci d'avoir participé, de mettre un peu l'ambiance. Voilà, ça fait plaisir. En espérant que tu sois là la prochaine fois, on fera encore plus d'or. N'oublie pas d'aller voter. Seb, il travaille dans un bureau de vote, les gars. Mais effectivement, il a raison. Allez, un croix d'enfer. Allez, Medico, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, mon ami. Merci de nous avoir rejoints. Le petit rappel. Votez tout sauf Macron. Alors, je ne permettrai pas de faire de la politique sur cette chaîne, mais... Macron, c'est quelque chose, je dis la vérité. Je connais une personne qui m'a dit je vais voter pour Macron. Je lui dis pourquoi, il avait des arguments. Des arguments à la con, mais il avait des arguments. Alors... Saïkou, bonsoir à toi, j'ai pas fait attention. Merci à toi frérot, merci de nous avoir rejoints. Saïkou, les anciens aussi. Je sais pas quoi faire avec mes 32 gold, t'as une idée. Pour moi, le seul truc qui vaut la peine d'être payé en or, c'est les rôles. Hein. C'est les rôles. Il y a certains vêtements que j'ai achetés en or, évidemment, qui sont très rares, d'ailleurs. Mais pour le concret, je dirais les rôles. Maintenant, si t'as tous les rôles, économise-les, on sait jamais. Tu vois, au pire des cas, ils sont là, tu les dépenses pour acheter un rôle, tu les dépenses pour débloquer un pass, tu vois. Donc... J'ai oublié cette mission, j'ai totalement oublié. Enfin, j'ai pas totalement oublié, j'abuse. Mais je sais plus comment tu fais pour la valider sereinement. Déjà, j'ai failli me faire cramer bêtement. Ouh là là. Allez, regardez là-bas si j'y suis. La salle, première mesure, l'apéro. J'ai économisé 1000 lingots, on sait jamais.
Ah! Je vous souhaite bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Je vais essayer de me concentrer. Raninho, bonsoir à toi, merci d'être avec nous mon ami. Désolé, je suis concentré les gars, juste laissez-moi juste valider cette mission. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, j'aime bien, je lève la tête, ça parle de Kinder Surprise. Alors, nous on va où? Là, il y a des ennemis. On va tailler par là. Et regarde. Voilà. Toutes les villes visitées? Bon, je vais te dire, même s'il me capte maintenant, alors on tape la fuite, mais bon. Alors, faut pas que je monte trop haut, mais faut quand même que je voie large pour éviter la petite bande. Normalement, si je suis pas capté, je vais pouvoir tailler là. Jean-Claude Convenant.
Bon. Alors, je suis concentré, je suis désolé, j'ai toujours peur de croiser des ennemis en fin de mission alors que j'estime avoir fait quand même du beau boulot. Celle-ci, j'ai galéré. Je me rappelle, j'ai dû faire au moins 20 ou 25 essais hein, avant de la réussir parce que je voulais la réussir en scred. Et donc, dès que je me faisais capter, je recommençais, je recommençais. Je suis passé par tous les coins possibles. Et on s'est rendu compte que voilà, t'avais un petit chemin un peu plus furtif que les autres. Je suis content. Voilà. Doucement, doucement. Est-ce que j'ai des... Aïe! Alors. Allez, viens. Viens, Regan, viens. Non, mais c'est moi. C'est papa, il a fait n'importe quoi. Viens. C'est une playlist perso ou le son du jeu parce que c'est bien relaxant. Oui, non, c'est le son du jeu, Hakim. Généralement, les missions furtives, elles sont tranquilles. À la limite, je vous dis, écoutez, je pense qu'on peut dire que cette mission fut une réussite. On va tâcher de garder cette efficacité pour la suite du let's play parce que l'air de rien, sachant que les récompenses sont très sur ce type de mission Telegram, j'imagine que nous allons pouvoir faire pas mal de ressources. Donc, à la limite, tu fais du ASMR. C'est là. Hey, tu vois, tu fais ça par an. Hey. Mais non, avec vos histoires de Ferrero Rocher, j'ai compris vos allusions à la con. Sinon tu bouffes de la coco, du chocolat et tu chies des bounties. Non, non, les gars, un peu plus de sérieux. J'étais à l'épicerie là cet après-midi. Je suis allé faire 2-3 courses. 24 lingots, ok. Faut que je regarde. Je suis tombé sur des pâtes à tartiner à base de Maltesers. Il y avait une Maltesers, il y avait un pot de pâtes à tartiner M&M's et pâtes à tartiner Bounty. Par contre, la pâte à tartiner Bounty, je voulais l'acheter. Mais tu te vois mettre de la pâte à tartiner Bounty sur du pain de mie, toi? On est d'accord, hein? Ça part en ASMR, il a dit. Je te jure. J'aime bien l'ASMR. Je vous le dis à chaque fois, j'aime bien, moi, là, ça me détend. Bonne soirée à tous. Mais Clumsy, t'étais là, donc tu nous dis bonne soirée à tous, donc tu vas rentrer. Bonne soirée à toi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. 79$. Ah, bonne soirée à toi, frérot. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir discuté un peu avec nous. Et au plaisir hein, de se recroiser. Non mais là en fait je suis en train de faire un calcul. Concrètement, cette mission, hein, cette mission d'infiltration. Elle rapporte concrètement moins de 30 dollars. C'est bon? Cette mission. Hors bonus triplé hein, sur les missions Telegram des affaires difficiles, elle rapporte moins de 30 dollars. Donc, avec le bonus triplé, cette mission vient de me rapporter 80 dollars. Merci, Kélévra. C'est toujours après 24 heures que ça part en cacahuète, j'ai remarqué, je te jure, c'est ça. Est-ce que tu vas jouer à Ark au final? Oui, il faut que je joue à Ark. On est déjà passé au mois d'après. Même Hood, je sais pas quoi, la Boys in the Hood, là, le jeu de Robin des Bois, je l'ai installé, j'ai pas joué. Non mais, tu rigoles, Kélévra. 30 dollars. Même pas 30 dollars. Ça paie.
Putain de ma gueule. Derrière un doigt dans le pété, ça te fait définir. Bah, fléchis, j'étais comme le plus. Hein? Plus inventif. Le beurre, meilleur pâte à tartiner. Alors, pâte à tartiner au spéculoos, j'ai jamais goûté, mais à ce qui paraît, c'est bon. Par contre, le beurre, meilleur pâte à tartiner. Moi, je mets du beurre avec du Nutella. Je peux pas faire un sandwich juste avec du Nutella, ça n'a pas de goût. Il faut que je rajoute du beurre avec du. Pas de la margarine, du beurre avec du Nutella. Ou sinon, quand on était petit, on était des galériens. Ce qu'on faisait, c'était du beurre avec du sucre en poudre. Et je kiffais ça. C'est-à-dire, pour moi, c'était une vraie gourmandise. Beurre demi-sel, c'est pas mal aussi. Beurre demi-sel avec un truc sucré. Kenevra, on va être obligé de masquer ton message, je crois. Je laisse les modos gérer ça, mais ça va loin. C'est pas. Non, il a été validé, le. Je préfère tartiner des darons. Les gars, arrêtez vos cacahuètes, s'il vous plaît. Non, mais je l'ai réussi finalement sur ce live. J'ai foiré une fois la mission effraction fructueuse, mais la pale froid à l'œil, on l'a validée du premier coup. On a galéré, mais du premier coup. Et celle-ci, on l'a bien fait, tu vois. Gizmo Guillotin qui va se coucher. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'être passé, d'avoir communiqué, d'avoir fait un peu la discussion. Je te souhaite une bonne soirée, un bon courage. Pour le coup, si tu dois te lever demain, parce que je me suis rendu compte que certains d'entre vous se levaient matin. Alors, je vais juste regarder un truc. Hop. Donc, merci d'avoir été avec nous. Je regarde juste, on a les stats. On a quoi, 2h30? Ouais, ça va, ça peut le faire, ça va. Ça va, nanana. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous pose la question. Parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. On a testé l'émission des affaires difficiles. On s'est rendu compte que c'était une escroquerie de malade. Parce que là, genre, on l'a bien faite. Parce que je l'ai fait 25-30 fois avant. Donc je sais comment on l'a fait. Mais cette mission, elle est galère. Tu vois? Tu devrais faire doubleur de film avec ta voix. Merci, c'est gentil. J'estime pas avoir une super voix, mais c'est gentil. Moi, il y a un truc que je kiffe, beurre avec le chocolat en poudre, c'était trop bon, Flichtube. Effectivement, ça aussi, ça se faisait. C'est des trucs de pauvres, ça, Flichtube. Je sais de quoi je parle. J'aime bien les voix de radio, moi. Tu vois, les voix, les émissions de la nuit. Oui. Bonsoir, nous retrouvons pour 4 heures de conversation autour du thème du jazz. Les amateurs de jazz vont être ravis de. Tu vois? Mais bon, ils ont les micros. Moi, j'ai un Blue Yeti. Eux, ils ont les micros radio. C'est-à-dire, la voix, elle est toute rauque. Ah, je kiffe. Moi, c'est le même délire que l'ASMR. Moi, ça me détend. Je me souviens, demain, GP de F1 à 7h. Seb Looping, je le crois, il est motivé dans ces trucs-là. Il faut se lever tôt avant que les boomers investissent les bureaux de vote. Non, nous, les vieux Kélévra, on va y aller vers 16h. T'inquiète. Là, je vais raconter une histoire maintenant. Ah, j'ai oublié. On parlait de radio, on parlait de voix. Ah, j'ai zappé, c'est cash sorti de ma tête. Non, mais les histoires de confiottes, j'ai dit. Ah! Tartine de Saint-Doux avec de la poudre de curry. Non, mais les gars, le sucre, c'est du poison, les gars. Effectivement, le sucre, c'est du putain de poison. Nanana. Ah, j'ai oublié ce que je voulais vous raconter. C'est réveil à 6h30. Non, mais ouais, je te crois. Surtout les bails les bails de GP. J'ai oublié ce que je voulais dire. Je vous pose. Oui, je sais, nous on est les Z ou les X. Non, on est les X ou les Y. On est les X ou on est les Y, nous. Je sais plus, moi, frère. Je vous repose la question, les gars. Le Grand Prix d'Australie, ok. Mais je vous pose. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que le gars, il s'ennuie. Allez, il va pêcher. On va pêcher. Est-ce que j'ai une canne à pêche au moins? Pour les copains qui sont là, qui sont pas dans les histoires de pâte à tartiner, dites-moi, on fait quoi maintenant? On fait une mission de chasse à la prime, on se refait une mission Telegram, on se fait quelque chose de plus intéressant. On a 12 lingots. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une prime de criminel légendaire, histoire de monter un peu nos golds. Mais je vous laisse me dire. Triple X, moi c'est Y. Toi c'est Y. Alors moi aussi. Non? Ou Z, génération Z, je suis pas la génération Z moi. Je pense pas. Ah, j'ai pas d'appât, faudrait que je me prenne des appâts. Pêche au bouchon.
LGB piou piou. Oh, le blaze, je kiffe. LGB piou piou. Bonsoir à toi, merci très gnou. Pez Roxor, salut naturalisme. J'ai pas le rôle de naturalisme. Elden Ring, il a dit Seb. Oui, mais je vais pas, on va pas bifurquer sur du Elden Ring. Alors que la vignette et le titre, c'est du ce truc. Ce sera avec plaisir, hein, frérot, je te le dis, hein. Ce sera avec grand plaisir de reprendre Elden Ring là comme ça en live. Mais pas sur un live qu'on a commencé sur Red Dead, tu vois. Ben Clemson nous dit The Faucheur, va au saloon dépenser tes dollars RND. Alors, Ben Clemson, ça pourrait être sympa. Ouais, pourquoi pas The Faucheur? Pourquoi pas? Les enfants nés après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les boomers. C'est les enfants du baby boom, ça je l'ai appris la dernière fois. Mais c'est un petit poisson, ça. Vous savez que les petits poissons, on n'est pas obligé de. T'es pas obligé de les laisser. De les laisser, comment on appelle ça? Les laisser tirer là, j'ai oublié comment on appelle ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça a pas l'air foufou, hein, le lac là. Hein, y a pas du brochet, y a pas de. Pas de la truite. Ah. Viens, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. On va s'occuper de toi. Moi, je veux lui là. Voilà, ils sont là, eux. C'est un beau poissonnet. Allez, on va se faire un Ben Clemson. Vous savez que Ben Clemson, on le fait systématiquement tous les lives. Chaque live qu'on a fait sur Red Dead Online. Chaque live qu'on a fait sur Red Dead Online, on s'est fait un Ben Clemson. Et regardez comment il pêche le mec. Il pêche de côté. Ça, c'est une technique, ça. C'est une technique de trappeur, ça. Tu pêches comme ça. Ne me chauffez pas, les gars, parce que. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Brochet de 8,36 kg. Regarde, on va le garder, lui. Vessie le poissonnet. Alors. En fait, Flishty, moi, justement, elle est tellement mal utilisée que je pensais qu'un boomer, c'était quelqu'un qui avait dépassé la trentaine, voire la quarantaine, et qui faisait un peu jeune. Moi, je pensais que c'était ça, à la base. Avant qu'on me dise, qu'on me donne la définition boomer, baby boom, etc. J'avais pas fait le rapprochement. Comment tu arrives à pêcher? C'est horrible. Pourquoi, Saïkou? Faut bien manger. Moi, je pêche pas pour le sport. Je pêche pour me nourrir. D'ailleurs, on va aller voir le boucher. Vous savez quoi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas. Voilà. Pourquoi on aime bien Red Dead? On oublie des fois pourquoi on aime Red Dead. Vous savez pourquoi j'aime Red Dead? Entre autres pour ça. Encore mieux, attendez. On va faire une pause. Faire une pause le temps que je mange des bonbons. Pour ceux qui veulent aller faire pipi, on va juste faire une petite pause. Mais pas une pause, on va pas s'arrêter, on va juste faire une pause. On va se mettre là. Voilà. Pourquoi tu continues à jouer à Red Dead? Pour ça. La marque Lucien Georgelin, à une tranche, noisette, chocolat. Par contre, le petit pot plus cher qu'un gros Nutella. Ouais, Jack Nutella, c'est pas donné. Je déteste, t'aimes pas la pêche? Sérieux, Saïkou? Je kiffe. J'ai joué un jeu de. Joué un jeu de pêche. Je sais plus comment il s'appelait. C'est un jeu concentré sur le thème du jeu, c'était la pêche. Eh bien, c'était pas beaucoup plus technique ou beaucoup plus recherché que la pêche de Red Dead. Alors que Red Dead, c'est une feature parmi des dizaines d'autres, tu vois. Quel bon fumet.
1h du mat, pêche au brochet. La simplicité. Ni plus ni moins, comme dirait l'autre. Planet Fishing. Je crois que c'est ça qui est les bras. Là. RND, passe une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir un peu communiqué. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est ça, je crois, Emric. Alors, j'ai joué au début, hein, mais le système de pêche n'est pas beaucoup plus passionnant que ce qu'on a ici. Hein. Graisse animale. T'as certains animaux qui donnent la graisse animale. Les dindes. Les dindons, ils ne donnent pas de la graisse animale. Il me semble que les dindes. Les ours aussi. J'ai racheté une fois en solo à cause de la pêche. Tu mens, sacre. Je connais pas du tout. On a connu l'espèce de pâte à tartiner à la pâte de cacahuète. Salut tout le monde. Titeuf, bonsoir à toi. Merci d'être avec nous, mon ami. Merci de nous avoir rejoints. Trop bien. Vous êtes ouf, les gars. Et Verzi, sans relire ta question, c'est pas un remaster, c'est un remake qu'ils veulent faire. Hein. De ce que j'ai entendu, c'est un remake. Ils veulent partir sur un tout nouveau moteur, etc. Moi, je l'attends de ouf, hein, tu l'auras compris. Max Payne, c'est la base, frérot. Il me semble que j'ai préféré Max Payne. Non, GTA 3, non, je mens. Quoique, mon aventure sur Max Payne, dans mes souvenirs, hein, a été plus intense que mon aventure sur GTA 3. Là, c'est clair. Ouais, ah, t'as raison. On va faire le tour. Toi, c'est là que le feu de camp avec le voyage rapide, il te sert. Tu vois, on oublie le confort. Est-ce que... Je peux passer par en bas, non? Il me semble que je peux passer par là. Non, vraiment. En mission secondaire, faut pêcher. Oui, mais c'est... Une fois que t'as compris le système, c'est pas compliqué, non? La pêche, frérot, ça écoute. Kirikou n'est pas très grand, mais il est courageux, ça. Et j'ai pas mis le vrai... Kirikou demande comment faire des gold. Autrement que les défis. Mission principale, tu les fais au moins une fois. Tu vois, les missions principales, une terre d'opportunité, faut les faire au moins une fois chacune. Et de préférence en or, parce que tu as trois niveaux. Tu as or, argent, bronze. Tu vas récupérer la première fois que tu vas les faire une bonne petite récompense. Mission secondaire. Et rôle de chasseur de primes, hein, il n'y a pas photo. Sinon, se concentrer sur les semaines qui rapportent sur ces activités-là. Tu vois, le mois de mars, on avait des récompenses doublées, triplées sur les activités de chasseurs de primes. Donc, pour le coup, c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu faire beaucoup de chasseurs de primes pour récupérer tout un tas de bricoles. Donc là, on est parti. Écoutez, l'air de rien, le chapeau qui est pas de la couleur du gilet, du pantalon, ça va. À une époque, ça m'aurait stressé, hein. Mais là, ça va. Il faudrait que je fasse une vidéo Max Payne 2. Et pourquoi pas? Parce que c'est ce que j'avais fait. Hein. Avant la sortie de la GTA Trilogie, j'avais fait une vidéo sur GTA 3 et une redécouverte de Vice City. Ça m'avait fait très très plaisir. Hein. Je surkiffe ces jeux-là. Hein, vraiment de ouf. Je pense que c'est un secret pour personne. Et pourquoi pas, ouais, Fall of Pain. Parce que de toute façon, Max Payne, je vais pas le finir dans sa version actuelle. Malheureusement, c'est très très galère d'y jouer. Le saut avec R2, j'arrive pas à m'y faire.
Et voilà, même les animations, ça a vieilli, y a rien à dire, tu vois. Par contre, Max Payne 2, ouais, faudrait que je l'installe, je vais regarder si mon émulateur le prend en compte. J'ai passé 30 minutes à essayer de pêcher un poisson et après j'ai rage quit. Et finalement, tu l'as réussi. Ben Stiller. Ah, c'est le Ben Stiller de la pêche. Ok, j'avais pas compris qu'elle avait écrit Stiller. Emmerich. Ok, ça va, je vais piger. J'ai récupéré plus de dollars que de gold en farmant la chasse à la prime. Oui, parce que le. Oui, mais si en plus je te dis une connerie. Au mois de mars, les récompenses, elles étaient doublées, triplées sur les dollars et sur l'XP, pas sur les golds. C'est des malins, c'est con. Ils sont cons, mais ils sont malins. Le PVP aussi, le PVP, l'air de rien, ça peut rapporter pas mal d'or à condition d'être classé. Ça, c'est le truc que je conseille à ceux d'entre vous qui s'estiment être une gâchette de l'Ouest, tu vois. Hop. Lui, qu'est-ce qu'on fait? On le tue ou on le tue pas? Ou on négocie avec lui, dites-moi. Appel aux armes? Mais appel aux armes. D'ailleurs, je crois qu'on a des récompenses doublées sur appel aux armes. Appel aux armes, pareil, si t'es classé en début de partie, ça peut faire une très grosse différence en termes de récompense. Surtout quand t'es sur des semaines, des mois, avec des bonus de récompense doublés ou triplés. Les défis journaliers, oui, mais lui, il voulait éviter les défis, je crois. Toujours un kiff de te retrouver dans tes lives. Jean-Claude Fettler, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. Ben, c'est avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Bon, t'arrives à un moment où les copains sont fatigués, voilà. La nuit au musée, ouais. Mais. Vous voulez récupérer, vous voulez rigoler, mais à l'époque, on m'appelait Ben Stiller. Bon, on m'a donné plein de noms. Mais on m'appelait Ben Stiller parce que quand on partait en vacances, j'ai toujours des histoires avec des meufs de. Mais. Si vous vous en souvenez, avant la fin du live, je vous raconterai une histoire. Ça va prendre au moins 4-5 minutes pour vous la raconter correctement. Mais une histoire de Ben Stiller, vous allez rigoler. Normalement. Si je la raconte bien. Tonnerre sous les tropiques, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Il est sur Amazon Prime. J'ai kiffé. J'ai toujours voulu le mater, mais je l'avais jamais trouvé sur les trucs de streaming. À mort. Le Vod Roussel. Fabien Roussel, mon vieux. Poutou, Poutou, les gars. Non, mais l'air de rien, celui qui me paraît le plus sincère de tous, c'est moi, c'est Poutou, en vérité. Après, il va pas aller loin, mais en termes de. Les no, no Life Nora. Le No Life Nora, pardon. T'arrives, t'arrives. Ouais. Ah, t'as loupé trois missions Telegram, mais juste magnifique que j'ai perfect. Quand je les ai réussies, c'était pas mal. Négociation. Merci Jean-Claude Fettler. Soudoyer. Non, parce que si je compte sur les copains, ça part en pâte à tartiner, ça part en aller voter. Appel aux armes, ça finit jamais, je meurs toujours. Faut être prudent. Ben Stiller, oui. Dean Djarin, pour appel aux armes, fais Blackwater. Dès que tu sens que ça commence à être chaud à partir de la vague numéro 5, 5-6, monte sur un toit. Pour peu que tu joues avec des gens un peu efficaces, monte sur un toit et tu verras, tu vas pouvoir te tenir à l'abri, tu vois. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est qu'on va grignoter. Voilà. Explose la tête. Daronhead. Kelevra, il est en mode Daron, c'est bon. Eh ben, en Russie, ils ont élu un gars qui s'appelait Poutine. On va dire ça à un Québécois, hein. Tu vois, je veux dire. Avec plaisir, Jean-Claude. Vraiment, Djarin, tu verras. Blackwater, à partir de la vague 5, tu montes sur un. Il y a des, y a, y a, y a, y a un toit, le toit du milieu. La plupart des joueurs montent dessus. Tu te camoufles. T'essayes d'arroser ceux qui arrivent au loin. Quand le chariot passe, tu te mets de côté. Tu abuses de ton sang-froid pour éliminer les gros bonhommes. Est-ce que ça fonctionne, Nora? C'est ça la question. Parce qu'au rez-de-chaussée, je me dis que c'est un peu compliqué. La pêche, c'est trop dur sur Red Dead. On parle encore de pêche. Ça va, ça va. On dirait l'autre. Ça va, ça va. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On monte derrière, hein.
préfère les jeunes, elles sont toujours. Ouais, j'avoue. Alors, est-ce que j'ai un pompe au fait? J'ai même pas de pompe en vérité. Hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que dans ce type de mission, tu t'as beau faire ce que tu veux, il te capte, tu vois. Je le tue ou je le tue pas, au fait, Ben Clemson? Il arrive en confiance! Ouh, cette confiance! T'inquiète. Mince. Allez, frérot. C'est pas vif, hein. On y va tranquillou, hein. Un lingot, $300 si tu finis. J'avoue, Jean-Martin. Mais après, t'as vu sur les missions qui sont faites pour ça, ça marche très bien, tu vois. Effraction fructueuse qu'on a fait avant, ça fonctionnait très bien. Mais quand la mission n'est pas programmée pour ça, bah, tout de suite, non. Tu vois? C'est un peu dommage. J'aime trop le chariot là-bas qui, on dirait qu'il nous suit. Vous avez vu le chariot là-bas là? Il est, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là. Le mec il va admirer le spectacle, tu vois. Et l'efficacité de cette arme, vous rappelez quand je commence à vous dire, mais en vrai elle tue la carabine Evans. En vrai, elle tue, les gars. Ah, mais non, mais là, je suis sur un mode... Je suis niveau difficulté 2, looping. C'est pour ça que vous me voyez, je suis pas... Je suis sans pression. Heureusement qu'il n'y a pas un peu métier de pêcheur. Ah, j'ai... Oh, les gars, le comique de répétition à la con, je kiffe. Bourrin forever. Ouais, c'est ça. Il faut absolument que les développeurs intègrent la fonction... la fonction infiltration à la mission, sinon non. Il est pas là, Ben Clemson. C'est lui, non? C'est lui ou c'est pas lui? Ne me dites pas que je l'ai tué. Ils sont tous en rouge, les bâtards. Il est où, Ben Clemson? Hein, je l'ai buté, je crois. Mais oui, je l'ai fumé. Bizarre, je suis à 11 mois.
Ouais, j'avoue, j'étais online, c'est pas non plus. Aïe! Ah, canoncier, l'enfoiré, c'est pour ça qu'il m'a fait mal! J'ai trop les crises, je l'ai buté. Je suis dégoûté. Caillot en infiltration, effectivement. Tu vois? Faudrait que ça rapporte. Oui, normalement, en plus de rajouter des fonctionnalités d'infiltration sur la grosse majorité des activités, ce qui serait intéressant, c'est que pourquoi pas ça rapporte plus, tu vois? Dégoûté, j'ai buté Ben Clemson, les gars. J'ai pas dit que. T'es en train de me dire. Ah, mais là, 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 mais. Je l'ai buté. Non, faut pas le buter, mais si, je l'ai buté. Pas mal de dégâts, c'est vrai, hein? Ah ouais. Casu, mon président, merci de ce que tu fais. Merci beaucoup, Bob. Merci beaucoup, tonton. Mince. Ah ouais? Quoi? Joue à MGS, je joue à MGS. Je surkiffe MGS. Meilleure série de jeux vidéo pour moi. En plus, tu vois. Vraiment, hein, sincèrement. J'ai tous fouillé. Alors, je vais prendre le contrôle du train. Ah, on n'est pas loin. Vite, 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 faut que je l'arrête. On est où là? On est. Ah non, on a dépassé Tumbleweed. Voilà, limite, allez, casse-toi. Ouais, je pense qu'on est bon. Voilà. Ça, c'est les moves de GTA, de Red Dead 1. Ah, je me suis foiré sur Ben Clemson. Je suis dégoûté, les gars. Je voulais pas le buter. De ouf, de ouf, de ouf. Metal Gear, le concept même du jeu. Attends, on va passer par là plutôt. Le concept même du jeu, la mise en scène pour un jeu PS1, c'est. Moi, il m'impressionnera toujours. Hein. Metal Gear Solid 1. Et d'ailleurs, faudrait que je fasse une découverte pour voir ce qu'il vaut là des années après. Mais ça fait partie de ces jeux qui m'ont marqué de fou.
Ouais, effectivement, mais c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Mais réinitialiser les boucles, c'est un truc de ouf. C'est quand le prochain passe du Halalwa, y a rien qui sort là. Yacine du 1080, bah déjà bonsoir. Effectivement, il n'y a rien qui sort. Donc, prochain pass, logiquement, qui arrivera avec le prochain DLC. Je ne crois pas avoir vu un pass du hors-la-loi sortir sans le DLC qui allait avec. Donc, faut attendre le prochain DLC. Sauf que le prochain DLC, frérot, c'est pas quand il va arriver, tu vois. Je pense, moi, pas avant juin. J'espère me tromper. Mais je pense que ce sera pas avant juin, je te dis la vérité. Vu comme c'est parti, là, le manque de communication, etc. 2024-2025, il a dit Looping. On peut lui faire confiance. MGS, Snake Eater, ils l'ont remake? Non. Tu parles de Twin Snake, toi. Twin Snake, c'est Metal Gear Solid, donc d'origine, sur GameCube, je sais plus sur quelle console. Je les ai tous kiffés. Tous ceux que j'ai fait, le 1, le 2, le 3, le 4, Guns of the Patriot, et le 5, Phantom Pain. J'ai tout ce qu'il fait. Après, les autres, je les ai pas fait parce que c'était sur d'autres plateformes, tu vois. Moi, je suis sûr, Bob, qu'il a bien vieilli parce que c'est pas un jeu qui misait sur sa technologie. Au contraire... J'ai pas vu, j'ai fait combien en dollars? Quelqu'un a vu, j'ai fait combien en dollars? Je suis désolé. En tout cas, en or, j'ai déjà fait plus que la mission à l'honneur cette semaine qui est censée être en triple le récompense, tu vois. Et merci, bonne soirée. Merci, frérot. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été là. L'équipe. Je disais, je suis sûr que j'ai fait plus d'argent, plus de récords. 67$, nous dit Nora. Ce qui n'est rien concrètement pour une mission de criminel légendaire. Sachant que voilà, c'est simplement parce que ben, la mission de criminel. C'est quand on va faire un truc. Hop. N'était pas de niveau max, tu vois. Mais on a quand même fait plus de récompenses qu'avec la mission qui est censée être en bonus de récompense triplé. Moi, c'est ça ce que je retiens. C'est juste un truc de ouf. Raconte ton anecdote. Ah oui, t'es un ouf. Ah, t'as un bon souvenir. Alors, Kelevra, si tu me donnes juste 3 minutes, je vais juste voir un truc. Vu que ça fait longtemps que je suis pas passé ici, je voulais regarder si le truc est encore d'actualité. Il est 22h18. Normalement, on est en plein dedans. Si Snake Eater sort bientôt en remake, même jeu, mais en plus beau. Pas en remake, en remaster. Parce que les gars, faire la diff... La diff, c'est quoi la différence entre un remaster et un remake? Allez, petite question. Pour ceux qui savent. C'est quoi la différence entre un remake et un remaster? Pourquoi des fois on dit c'est un remake et des fois on dit c'est un remaster? Je sais même pas s'il y en aura d'autres. Je pense pas en juin. Non, allez, Jean. Jean, Seb. Un peu d'enthousiasme, un peu de... confiance. Juste regarder si le cougar est là. Je me rappelle qu'à l'époque, je venais ici chasser le cougar parce que c'était l'endroit pour moi où il apparaissait le plus régulièrement. On va le chasser au verrou. Et vous me direz, ça vous est déjà arrivé? J'ai déjà eu 2 cougars ici, moi. J'ai déjà eu 2 cougars, genre en 30 secondes. Il y a du sanglier, il y a du lézard, il y a de l'antilope. Ah, il est là. Mais je crois pas que c'est un... Non, c'est pas un super... C'est pas un étoile, et lui, c'est un 2 étoiles, lui. C'est un 1 ou 2 étoiles. Tu te rappelles quand je chassais ici, frérot? Quand il n'y avait pas le choix, en fait. D'origine, c'est un 1 étoile. Les blancs, ceux qui sont clairs comme ça, genre un peu grisés comme ça, généralement... ils sont jamais en 3 étoiles. Personnellement, ils sont jamais en 3 étoiles. Lex, t'es en 720p. Non, je suis en 1080. Augmente la qualité de la vidéo sur YouTube. Lex, tu cliques sur le réglage et tu montes la qualité et tu verras.
C'est juste que généralement, sur les lives, je sais pas si en général, en tout cas les miens, YouTube a tendance à diminuer la qualité, mais moi j'exporte en 1080. 67$ parce que t'es mort une fois et que tu l'as tué. Donc, malgré le fail de la mission, j'ai fait plus que la mission Telegram. Bon, c'est ça le truc fou, encore pire, tu vois. Un remaster, c'est uniquement. Alors, pareil, je suis plutôt pessimiste pour RDO, malheureusement. Un remake, je dirais que c'est refaire un jeu complètement, du style Resident Evil 2 et Resident Evil 2 Remake. Les remasters seraient plutôt. J'ai exactement No Life et je pense que Mr. Fool, pareil. C'est ça. C'est là-bas que tu nous as pas raconté l'histoire, comment ça fait à cause du coronavirus ou bien. Appel aux armes, c'est rentable en ce moment. Yacine, oui, c'est doublé. Tu crois? Non, ça attend. Tu dis ça cache? Faut que je me rafraîchisse la mémoire, les gars. Appel aux armes. Gain en dollars, en XP et en or doublé dans Appel aux armes. Je pense que c'est concrètement l'activité qui rapporte le mieux tout le mois d'avril. Donc voilà. Alors nous, on va juste monter. On va monter. On va se prendre une. Un petit. On va se poser sur un petit panorama. Histoire d'avoir une petite vue sympathique. Le temps que je vous raconte la story. Alors, c'est pas une histoire de fou, hein. Mais on parlait de Ben Stiller avant. Pourquoi est-ce que t'aimes bien? Pourquoi est-ce que t'aimes Red Dead? C'est pour ça. Dommage, attends, juste, je vais le mettre bien parce que là, la croupe surélevée, c'est pas trop ça, à moins que. Non, on va rester ici, voilà. Voilà. C'est juste magnifique. Alors, je vous disais, la pire arnaque, c'est DLC Blood Money avec les braquages, les faux braquages, c'est quoi, hein? Non, mais moi, je trouve que, ouais, No Life Nora, c'est de l'arnaque dans le sens où on te vend ça comme un DLC bandit, genre braquage, tu vas faire des braquages, des opportunités, et finalement, les braquages sont 1000 fois plus éclatés que les braquages proposés dans GTA Online pour un DLC qui s'appelle Los Santos Tuners. D'un côté, on te dit c'est un DLC où tu auras un garage de voitures et tu devras pimper des voitures, les revendre, faire ci, faire ça. Et on te met en bonus des braquages qui sont juste magnifiques en termes de réalisation, de préparation et tout. Et de l'autre côté, t'as un jeu où on te dit Blood Money, bordel de merde. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas jouer le criminel en puissance. Tu vois, tu vas travailler avec des crapules, tu vas voler des objets de grande valeur, et où tu te rends compte que la mission pour voler le truc, c'est original, hein. Voilà, le train, le fait de devoir espionner le gars, etc. Mais pas plus que ça, en fait. C'est pas plus construit qu'une autre mission. Et je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Hideo ne fera plus de MGS. C'est compliqué à dire, Dingering. Ah pardon, bonhomme vert, bonsoir à toi, merci d'avoir été avec nous, merci de t'être signalé ce soir, d'avoir discuté un petit peu, je te souhaite une bonne soirée et un excellent week-end en espérant que ça se passe bien pour toi, donc bonne soirée. Hulk, je dis Hulk, il est où Hulk? Ah, c'est vrai, bonhomme vert en fait. Je sais plus ce que je disais, j'ai tendance à oublier ce que je disais. Ah oui, il ne fera plus de MGS, le problème c'est que MGS c'est une marque déposée par Konami, et comme vous le savez, Hideo Kojima s'est fait licencier par Konami, donc non. Il n'a plus le droit, à moins que les mecs de chez Konami disent, putain, on s'est tiré une balle dans le pied, on a envoyé chier l'un des seuls artistes qui reste chez nous. Tu vois? Exactement, Alex. C'est un peu ça le paradoxe du jeu. Bref, je vous racontais une histoire, on parlait de Ben Stiller. Il y a quelques années, de nombreuses années maintenant, la première fois que je suis allé en Thaïlande, j'étais jeune, hein, j'étais jeune homme, et on m'avait vendu la Thaïlande comme déjà un pays magnifique, ce qui est le cas, et un pays, genre, le monde de la nuit, c'est juste un truc de fou, voilà. Tu vois, un jeune de la vingtaine, voilà, t'as envie de voir des boîtes de nuit, t'as envie de voir des meufs et tout. Et donc, on va en Thaïlande la première fois, sauf que, alors c'est bien beau, des meufs tous les soirs, tu peux draguer une autre meuf, tu peux faire ci, ils sont extrêmement ouverts en termes de sociabilité, on va dire, tu vois, là-bas. Donc,
Tu rencontres des gens, tu rencontres beaucoup de meufs, hein, tu fais tes soirées, tu fais des trucs et tout. Mais moi, ça n'a jamais été mon délire de payer. On est tous passés par là. Hein. Je pense pour la majorité d'entre nous, quand tu as 15, 16 ans, tu découvres un petit peu, tu découvres ton corps, tu découvres le corps des voilà. Et on est tous passés, on a tous des grandes chez nous qui nous ont ramenés dans un club. Tu vois, en plus, on a l'Allemagne, c'est réputé, on a des clubs de fous, vous avez compris? Truc facturé. Mais ça n'a jamais été mon délire. Moi, j'aime bien le feeling. Ça pas, vous allez me prendre pour un hypocrite ou. Parce que des potes me disaient, ah, t'abuses. Soirée Lady Boy et tout ça, exactement. Non, mais tu sais, au début, je paniquais, je regardais les pommes d'Adam, je regardais. Et un grand chez moi, il m'a dit, si elle est trop. Je vais dire le mot. Si elle est trop bonne pour être vraie, c'est que c'est pas vrai. C'est ce que le mec m'avait dit. Mais bon, ça c'est le. Tu vois, autant. Lady Boy tiré avec un bazooka sur un éléphant pour 5 euros. Ça, c'est des légendes de. Enfin, c'est pas des légendes, c'est des trucs que les gens retiennent, mais c'est des trucs que tu vois le moins. J'ai jamais vu ça. J'ai tiré, j'ai pas payé 5 euros, j'ai payé un peu plus cher et j'ai pas tiré au bazooka. Je pense pas que ce soit 5 euros pour tirer au bazooka. Je suis pas sûr qu'ils te laissent tirer sur un éléphant bazooka. Il n'y a pas assez d'éléphants, à mon avis, pour le nombre de clients qui seraient prêts à dépenser 5 euros pour leur tirer dessus. Bref, quoi qu'il en soit. Moi j'aime bien ce feeling. Je me souviens qu'à l'époque on se foutait de ma gueule. Ah mais toi t'aimes trop faire le beau gosse. Non, pas faire le beau gosse. J'aime bien savoir que je plais à la personne qui est en face. Autant que ben, la personne qui est en face est censée me plaire, tu vois. Donc bref, j'ai rencontré une Thaïlandaise là-bas qui avait un restaurant et tout. Vraiment, c'est-à-dire voilà, c'est une meuf qui traînait en discothèque, mais ben, elle avait une vie sociale. Elle travaillait la journée et tout. Bref, on s'est liés d'amitié, etc. Vous aurez compris. Ah, on se voit et tout, on se voit régulièrement au bout d'un moment, c'est-à-dire je la vois quasiment tous les 2-3 jours, tu vois. Le reste du temps, je suis avec mes potes, on fait nos soirées, on fait nos excursions, on va à la plage, on filme, on prend des photos, tout bref. Et j'y suis retourné quelques années plus tard, et donc j'avais toujours ses coordonnées, puisqu'on continue à communiquer sur WhatsApp et tout. Et donc c'est devenu plus ou moins, c'est devenu une copine. Voilà, quand j'allais là-bas, c'était ma copine, elle sort avec moi et tout, tu vois. À partir de 12 euros, tu lui plais, t'inquiète. Ouais et non, mais tu sais, je vais faire encore une parenthèse dans la parenthèse. Le FKK, merci Jean-Martin. Mais moi, j'ai croisé beaucoup de Thaïlandaises, hein, et des Thaïlandaises de tous les types, de la plus soft à la plus hardcore. Et ben, je les ai trouvées plus sincères qu'une grosse partie des meufs que tu rencontres actuellement en France en discothèque. Tu vois? Alors oui, 12 euros, tu lui plais, t'inquiète et tout. On peut faire la blague, tu vois. Mais si on doit être totalement honnête, de mon prisme à moi, j'ai croisé beaucoup de meufs en boîte, en chicha et tout, dans ma vie, qui étaient plus hypocrites que ces meufs-là. Tu vois? À qui on dit 12 euros, 5 euros, tu vois, je veux dire. Moi, j'ai vu des meufs en Thaïlande, elles étaient avec des gars éclatés. Enfin, pour ma part, elles étaient éclatées, tu vois. Je dis, mais oh, la meuf a un paquet et tout. Et t'es là, tu dis non, t'es malade, elle fout, je vais la tirer. Elle reste pas avec ce gars-là, tu vois, t'étais petit, t'étais con, tu vois. Je vais la tirer et la meuf, elle lâche pas l'affaire. Pourquoi? Parce que par respect envers la personne avec qui elle est, tu peux être plus beau que lui, tu peux avoir l'air de dépenser plus d'argent que lui. Ben, elle s'est engagée avec ce gars-là, je sais pas ce qu'il lui a donné, hein, 12 euros ou 13 euros, mais elle le lâche pas. Et tu vois, c'est cette sincérité, je vais pas dire sincérité, pardon, cette honnêteté-là. Que je kiffe. Ouais, j'aime beaucoup. Mais j'aime bien la Thaïlande. J'aime bien les Thaïlandais. J'aime bien les Thaïlandaises. J'aime beaucoup la Thaïlande. Les environs de Phuket. Tout ce qui va être Koh, tu vois, les Koh Lanta, les Koh Phi Phi, les James Bond Island, les Monkey Island et tout. J'ai eu la chance de pouvoir un truc. Voilà. Évidemment, Looping, tu as ce truc-là. Mais juste, tu sais, on a beaucoup de préjugés. Et moi-même, Red Light District, merci Jean-Martin. Mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe, encore, on a quand même ce truc-là où tu t'y retrouves, tu vois. Jusqu'à Prague, tu t'y retrouves à peu près. Tu vois, l'architecture, c'est pas tellement différent. L'Asie, c'est encore un autre délire. Et on a tendance à avoir des préjugés sur les trucs. Moi-même, la première fois que je suis allé, on m'a vendu la Thaïlande. Tu vas voir, oh frérot, tu marches dans la boîte, les meufs, elles te tirent, tu seras jamais tranquille. Qui n'a jamais rêvé de se faire harceler par une bande de nanas? On est tous passés par là, tu vois. Irène, bonsoir à toi, merci d'être avec nous. J'ai pas compris le trait, mais en tout cas, bienvenue à toi. Et je connais beaucoup d'expats, hein. Je connais beaucoup de gens qui ont réussi, qui sont allés avec un peu d'argent, qui ont investi là-bas et qui vivent là-bas et tout. Ils arrachent en plus les francophones quand ils parlent anglais, hein.
Coq, give me two pieces of this. Oh, il se casse pas la tête avec l'accent, lui. En Tchéquie, c'est des vraies femmes. Pourquoi pas? Moi, je te dirais l'Amérique du Sud. Au Venezuela, c'est des vraies femmes. Tu vois? C'est ça que je veux. Moi, je suis plus attiré par les latines. C'est des stupéfiants, ce qui. Mais beaucoup de. C'est ça, il y a beaucoup de réputation. Je vais vous donner un contre-exemple. Quand je vais en vacances, quand je vais en Malaisie, ou quand je vais en Thaïlande, ou quand je suis allé aux Émirats et tout, quand on te dit t'es de quelle origine, quand on te dit d'où tu viens, tu dis ben, je suis français. Et souvent, t'as le. Ah, les Français, ah, les Français. Tu vois? Les slaves, les slaves ou bien les slaves, traduction de l'anglais, Kenevra. Tu vois? Ah, vous les Français, pourquoi les Français, ils te font des listes? Ah, mais vous les Français, vous êtes dégueulasses. Vous en France, à ce qui paraît, il y a de la merde de chien partout. Tu peux pas faire 10 mètres sans marcher dans un caca de chien. C'est cher. Tu as des problèmes avec la police. Vous plaignez pour rien. Vous êtes radin. Là, là, là. Tu vois, je veux dire. Mais si on doit se baser juste sur ces a priori-là, effectivement, on ne vaut pas beaucoup. Par contre, il faut voir plus loin, tu vois. Les Allemands de. Les Allemands. Réunion, elles sont bien les boîtes. En Guadeloupe, je suis allé dans des boîtes. Je suis pas allé dans des boîtes. Je suis dans une boîte en Guadeloupe. J'ai préféré les bars dansants. En Guadeloupe. J'ai pas fini ma putain d'histoire, les gars. Bref, je vous disais. T'as même Kélévra, il devait rentrer chez tout. Les filles de l'Est. Moi, j'ai un pote à moi, il est amoureux des Russes. Il aime trop tout ce qui est le Caucase. Tu vois, tout ce qui est russe. URS, ex-URSS. Tu vois, le gars, le type, il kiffe. Voilà, la voix, l'accent. Je me souviens que la première meuf que j'ai rencontrée en Thaïlande, c'était à Bangkok. On avait fait l'escale à Bangkok quelques jours avant d'aller à Pattaya. C'était genre une genre de Tchèque. C'était genre un pays de là-bas, j'oubliais. Elle avait une voix, yo crazy, elle me parlait comme ça. Enfin, je l'ai rendue folle. Et elle avait une voix comme ça, tu sais, que tu parles avec des Thaïs toute la journée, oh, ça va les calmes, ils ont la voix tout aiguë, tout douce. Et elle me disait, oh, what do you want? Elle avait une voix, je claque de rire. Bref, pour finir l'histoire. Et cette meuf-là, donc, quelques années plus tard, j'étais retourné en Thaïlande, on a repris contact, salut, on s'était vu une fois, deux fois. Mais mes potes, ils la connaissent. Mais moi, cette gecko, je le connais il y a des années, moi. Moi, je le connais de l'époque de, je vais pas dire de patate de forain, mais quelques années après, moi, je suis allé le rencontrer parce que je faisais de la musique. J'ai un pote à moi qui m'a ramené là-bas et tout. Donc, on s'est lié d'amitié. Moi, je me suis lié d'amitié beaucoup avec comment il s'appelle, Zesso. Ça n'a rien à voir, mais je les ai rencontrés en même temps. J'ai rencontré le même soir, tu vois. Et cette gecko, mais justement, ce que je faisais à Phuket, c'est que j'allais au bar chez lui. On se posait, bon, il est pas là tous les jours, tu vois. Il y a son DJ et tout. Bonne ambiance, et après, genre, t'allais dans la boîte, dans la vraie boîte, tu vois. Oui, mais ça, Bender Game, c'est des coups de carotte, c'est quand le taxi, il voit que t'es en. Tu sais pas où aller, viens, je te ramène, ping-pong show, il te ramène dans la rue, frérot. Demande-lui, il a payé combien ton pote pour voir le spectacle? C'est une rue, une fois, un tuk-tuk qui nous avait ramené dans une rue comme ça, à Bangkok ou Pattaya, je sais même plus. Je crois que c'était à Bangkok. Et heureusement que j'étais avec un pote, il m'a dit, frérot, tu mets le pied dedans, tu sors pas, tu peux pas sortir sans qu'il te manque au moins 100 euros. Ah ouais, non, c'est des trucs de ouf. Ouais, mais je vais pas dans ces endroits-là, mon frérot. J'ai dit, on est arrivé, mon pote, il m'a dit, non, non, viens, on se casse. J'ai dit, mais pourquoi? Je veux voir, moi, j'ai des trucs ping-pong, tout. C'est quoi le ping-pong? J'aime bien, moi, quand on joue au ping-pong, on était petit, tu vois. Non, 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 viens, on se casse, viens, on se casse. On est allé à un marché un peu plus loin pour le coup. Jamais, voilà, jamais suivre un rabatteur, la base, la base. Bref. Et entre-temps, à Pattaya, on vendait je vendais des vêtements avec quelques collègues à moi. Et donc, on ramenait, plutôt que de les commander d'ici, on les ramenait de là-bas. On allait sur place, on faisait le tour des magasins, on négociait avec les patrons de magasins, on prenait du semi-gros et ils nous arrangeaient. Donc, on prenait une partie avec nous et la deuxième partie, on envoyait soit pas un conteneur, vous avez compris, une partie de conteneur, un emplacement, et on se faisait livrer. Ensuite, nous, on vendait ici avec notre marge et tout. On faisait ça quand on était un peu plus jeune. Et il y avait un gars qui nous avait bien arrangé, un Parisien, un Rabza. Il avait deux vendeuses. Et j'étais avec mon frère qui a quasiment le même âge que moi. Et j'aime trop Bangkok, j'aime trop, ouais, il se fait humide. Et on se lie d'amitié. Les deux petites vendeuses sont gentilles, elles sont toujours sympas. Tu veux essayer ça? Tu veux essayer ça? Nous, on essayait les sapes, on prenait des modèles pour nous. Et avant de partir, on le disait, mais nous, autant et tant de ça, tant et tant de ça, tu vois. Et donc, bref, écoutez, on va partir sur cet écran, comme ça c'est réglé. Et oui, si vous voulez, un jour on ira truc, un jour on sort avec elle, tout,
truc, moi je kiffe avec la meuf et tout, la petite vendeuse. Et moi j'aime bien ce truc-là parce que voilà, c'est une petite vendeuse, mais on est là, on est ensemble. Et bref, et je sais plus ce que je voulais vous raconter. Ah oui, et elle me dit, viens, on fait une soirée, elle avait une copine à elle, les gars, elle s'appelait Rachida. Elle se faisait appeler Rachida, c'était une taille bronzée comme ça. Elle se faisait appeler Rachida, elle parlait français. Elle arrachait tout. Si j'avais pas de respect envers ma famille, je vous déblatérerais ce qu'elle me sortait à longueur. Elle était posée comme ça, que des garrettes, toute la journée en train de picoler. Et elle picolait du lourd, frérot. Elle picolait de la Jack, là, tu vois. Devant le magasin, elle était là comme ça. Qu'est-ce que t'as? Casse les couilles, toi! Casse les couilles, toi! Elle arrachait tout. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux quoi, toi? Tout. Et une time, elle se s'appelait Rachida. C'était une Kaira, je sais pas d'où elle a pris ses références. C'était une Kaira, tu vois, les beurettes, les Kaira de Paname, mais en mode une taille. C'était ça le bail, déjà. Elle me dit, viens, on sort là avec Koi et tout, on va, je vous ramène les vraies boîtes, moi et tout. Et je joue à l'occasion, à l'occasion, à l'occasion. Bref, et un soir, il nous reste. Le lendemain, on doit bouger. Le lendemain, on doit remonter à Bangkok pour prendre l'avion pour aller à Singapour. Le lendemain. Mais nous, comme on est déjà organisé, non, viens, on sort, on s'arrache bien la gueule la veille. Comme ça, on va arriver à l'aéroport comme ça. On va monter dans l'avion, on va dormir. On va arriver cabossé sur place. On va galérer à trouver un hôtel. Toi, ça, c'est notre organisation à nous. Et bref, Madame Looping, regardez le chat. Les plus belles femmes sont françaises. Bref, et je vous disais. Donc, on fait quoi, les gars? On sort et tout. Et sauf que ce qu'on avait fait, nous, vu qu'on était quatre à ce moment-là, on avait pris une puce. Puisqu'on était toujours ensemble, on était fourrés toujours ensemble, on avait pris une puce. Et voilà, histoire de communiquer avec les gens, mais on n'avait pas besoin de prendre chacun un téléphone avec une puce, etc. Bref, on est à l'hôtel, qu'est-ce qu'on fait? On sort, ok, tout. Moi, j'ai des potes à moi, là, là, là. Et je reçois un message de ma copine, celle qui avait le restaurant. Enfin, c'est le restaurant de ses parents. Elle me dit, ouais, tu fais quoi tout? Je dis, vas-y, écoute, viens, si tu veux, on se capte. Ouais, tu vas où? Je vais à telle et telle boîte. Toi, Pattaya, c'est pas grand, c'est Walking Street, et en fait, il y a tout qui est centralisé à Walking Street. C'est une boîte un peu plus loin vers la gauche, une boîte un peu hip-hop et tout. Beaucoup d'Américains. Et je lui dis, non, moi, Dinjarin, j'ai pas de préférence. Tu vois, je veux dire, même, j'ai pas de préférence en style de couleur d'yeux, couleur de cheveux, teint de la. Alors, j'aime bien les Latinas, mais c'est-à-dire que je suis totalement capable d'apprécier d'autres styles et d'autres origines, d'autres trucs et tout, tu vois. Bref, elle me dit, viens, on se voit. Je dis, on se retrouve à la boîte. Ok, sauf qu'on est là, c'est un verre encore, on écoute de la musique et tout, là, là, là. Bon, les gars, moi, j'y vais, qui veut venir avec moi? L'autre, il est pas prêt, l'autre, il est en calbut, l'autre, il me dit, je vais me doucher, l'autre, il me dit, j'ai mal au ventre. Bref, vas-y, les gars, moi, j'y vais, on se retrouve là-bas. Ok, ça marche. J'y vais, la meuf, elle appelle, elle dit, ouais, ton frère, il est où et tout? Elle appelle sur le téléphone de mon frère. Et elle dit, ouais, il arrive, sauf que moi, quand j'arrive, elle n'est pas là. Je me retrouve tout seul dans la boîte comme ça, comme un con. Je commande cache un verre. Hop, on va en danser un peu et tout. Et ce que j'aime bien aussi avec, c'est de l'affect. C'est du feeling. Moi, je suis beaucoup dans le feeling. Et pareil, c'est-à-dire ce genre de pays un peu exotique ou ce genre de lieu où c'est la fête, t'as pas cette retenue que tu peux avoir dans ta propre ville où tu sais que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui te connaît ou qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît, que tu vois, même pour aller danser, tu dis, il va me dire, tu vois, là-bas, tu t'en fous, t'es là, tu danses, tu trouves. Bref. Et qui, je tombe sur qui? Je tombe sur Rachida et la petite vendeuse avec qui j'avais un petit feeling, tu vois. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Te sont tes potes là? Ils sont à l'hôtel, tout. Oh, vas-y, viens, on va boire un verre là, j'ai pris la bouteille et tout. Elle me ramène à sa table, petite bouteille et tout, on est hal et tout. Et moi, j'attends, il n'y a personne qui vient, une demi-heure, trois quarts d'heure. Elle me dit, vas-y, t'es quoi? Viens, viens, je te ramène dans la boîte, moi et tout. Vas-y. Je commence à être teinté, moi, au bout d'un moment, j'ai oublié, moi, je suis, tu vois, on y va. Elle monte sur un engin, il y avait la meuf, la Rachida, la Sentai, je vous rappelle. Sur l'engin, sa copine, la petite Time, Koi, elle s'appelait, au milieu, et moi derrière. Comme ça. Sur l'engin, à fond, elle était déchirée, elle a commencé à teaser, je crois, elle était 15h, frérot. Non, mais c'est pas l'accent Thaï, c'est son accent à elle que je fais. Hein. L'accent Thaï, c'est Sawadee Kap. Tu vois, les meufs, elles parlent un peu comme ça là-bas. Elle, c'est une Chava de Thaïlande, tu vois. Et bref, merci, maman. Elle me ramène dans une boîte. Je vais me considérer comme blanc. Je suis d'origine algérienne. Ça se voit. Je ne vais pas te dire je suis blanc. Je ne suis pas blanc. Je suis d'origine algérienne. Je suis basané. Mais on va dire blanc. Dans cette discothèque où il y avait peut-être une centaine de personnes, il y avait quatre blancs. Il y avait moi et un groupe de trois. Un couple avec un pote où il y avait une meuf et deux gars. Et moi. Et le reste, c'était que des thaïs, frérot. Il y avait un groupe sur scène. Ça chantait en thaï, frérot. Et je me rappelle. On rentre dans la boîte, tout. Elle me dit, t'inquiète, je m'occupe et tout.
Les No Life Nora, merci beaucoup d'avoir rejoint le gang, merci beaucoup d'avoir souscrit, ça fait très plaisir Nora, vous êtes trois à avoir rejoint le groupe des souscripteurs, donc merci beaucoup pour cette confiance, je te dis la vérité, je ne m'y attendais pas, je me suis dit fin de live, c'est bon, on est fatigué, elle allume Rachida, je la kiffe moi Rachida, elle arrache tout. Merci beaucoup en tout cas les No Life Nora pour cette confiance et ben, pour le soutien affiché carrément pour le coup, en espérant que le contenu saura te satisfaire et justifier ton investissement. Bresson, ça va en fait, tu vois. Enzo Martino, bonsoir à toi, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. Il n'y a plus de Red Dead, là, on a arrêté de jouer à Red Dead, on est sur la fin du live. Je finis juste une anecdote et on va se quitter. Hein, si tu veux rester, écouter l'anecdote avec plaisir. Sinon, merci quand même d'être passé, évidemment. En tout cas, je dis, on arrive dans la boîte, vraiment, il n'y a que des tas. Il y a moi et les trois autres blancs. La meuf, elle me dit, je vais commander une bouteille et tout. Et à l'entrée, tu avais plusieurs agents de sécurité. Tu sais, je me dis, ils sont quand même pleins. C'était 5, 6, je sais pas combien. Et je me retourne, on est à la table, c'est, tu vois, c'est des tables tabourées, hein, genre un peu surélevées. Et je vois l'agent de sécurité, il est là. Et tac, la meuf, elle me sert un verre, elle bouge, elle va parler avec des gens, elle connaît des gens, elle, dans la boîte, tu vois donc. Et je finis mon verre, je peux me servir un autre verre. Et l'agent de sécurité, il vient, il me pose la main sur l'épaule, il me dit non, non, c'est bon, il me fait un grand sourire, tu vois. Et il me sert un verre. Le SS me dit SS. Le SS, l'agent de sécurité, il est venu, il reste à côté de moi. Genre, personne vient parler avec lui. Un moment, un gars, il est venu, tu l'as vu, ce qu'il fait là, celui-là, il commence à tchatcher avec moi, bien, ça va, il a vu, j'étais avec deux meufs et tout. Là, je l'ai attrapé, il a dit, je parle pas avec lui, casse-toi. Tu vois, je me sentis, oh, bien, tu vois. Bref. Et je l'appelais, je commence à être teinté, je l'appelais Mammouth, il m'a fait penser un peu à Mammouth, mais en thaïlandais, Mammouth de Nicky Larson. Bref, on fait la soirée, on sort petit matin, elle me dit attends, t'inquiète, la bouteille, je prends la bouteille, tout, parce qu'on avait pris une deuxième bouteille entre-temps, la bouteille, elle la met dans le pantalon, elle sort avec, tu meurs, c'est une Kaira la meuf, c'est une Kaira de quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Des Yakuza, des Yakuza, non, y a pas de Yakuza, Yakuza c'est en Yakuza c'est au Japon. On prend l'engin, je dis oh, tu fais quoi, tout, je dis vas-y, dépose-nous à l'hôtel avec la meuf, je dis c'est bon, on a fini la soirée, Fini à l'hôtel, reste quelques heures, après vous rentrez, elle rentre et truc, ouais, elle veut venir, elle se colle, parce que pourquoi l'autre l'a rejeté? Elle sait qu'il y a mon frère à la chambre. Elle est kiffée sur un de mon frère ou un de mes potes, tu vois. Donc elle va pour y aller et tout. On va à l'hôtel, petit matin, les gens ils vont prendre leur petit déj et tout. En plus, c'est pas, je suis pas dans des hôtels, je suis pas dans des hôtels Bresson, moi je suis pas dans des tripots, on va dans des hôtels quand même. Pour quelqu'un qui est allé en Thaïlande, nous on va dans des hôtels à 60 euros la nuit. 60 euros la nuit dans un hôtel en Thaïlande, c'est beaucoup. En France, tu vas te dire c'est un Ibis. Mais en Thaïlande, 60 euros la nuit, il y a des loyers, des appartements à équipés, hein, tout équipés à 300 euros par mois. Toi, un appartement, si tu restes un mois, tu peux louer un appartement 300 euros avec tout, avec frigo, tout, kitchenette, ce que tu veux. Là, c'est une chambre pour deux personnes, 60 euros la nuit. Donc, c'est quand même des hôtels un peu touristiques, piscine, petit déjeuner à volonté et tout. Bref, on arrive, réceptionniste, il me dit. Tu veux rentrer des meufs? Lui, il se pose pas la question. Il voit une taille avec un blanc, avec un touriste. Il se pose pas la question. Arrêtez avec vos histoires de Lady Boy. T'inquiète. Ça, c'est la première fois que je suis en Thaïlande. Je surveillais après l'œil des. Tu vois, après, j'ai eu un scooter, frère. Vous savez, c'est quoi un scooter? Le scooter de Vegeta. J'ai le scooter de Vegeta. 365. Ah non, on sait jamais. Hein, 43. Ouais, c'est bon. Tu vois. Et il me dit là-bas, si tu veux monter avec une taille dans ta chambre d'hôtel, il faut envoyer un billet. J'ai plus rien. Je leur ai dit, écoutez, attendez, allez vous poser là-bas, il y a le lobby. J'ai dit, posez-vous dans le lobby là-bas, allez fumer une cigarette, canapé, tout, siège à l'entrée et tout. J'arrive, Friscam. Ok, ça marche. Désolé. Ah, le meilleur moment. Et attendez, laissez-moi juste régler ça. Laissez-moi juste régler ça. Histoire que vous ayez ma tronche pendant que je raconte l'histoire. Je pense que c'est plus intéressant. Friska, non, merci. Et donc, moi, je leur ai dit, attendez-moi dans le lobby, je monte, je vais chercher l'argent, je paye le réceptionniste, on monte à la chambre et là. J'arrive, mes potes, oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? On part dans 5 heures. Genre, tu vois, faut qu'on quitte l'hôtel dans 5 heures. Oh, tranquille, on a le temps, c'est bon. Mais t'as pas dormi, l'autre il est rentré tôt, l'autre il est parti, l'autre il est avec une meuf, je sais pas quoi, l'autre il est dans la chambre, il me dit, je vais dormir. Je dis, bref, j'arrive. J'arrive. Je prends l'argent, je descends pour aller récupérer les meufs. Et je descends, je vois qui? La porte de l'ascenseur, attendez, laissez-moi juste régler la truc, comme ça vous avez la tronche. Hop. Hop. Hop.
Et c'est là que c'est transformé en truc. Rappelez-vous, au début de l'histoire, au début de la soirée, je t'ai sorti en avance. Pourquoi? Au début de l'histoire, je suis sorti en avance sans mes potes. Pourquoi? Parce que je devais rejoindre ma copine que je connaissais depuis un moment. C'est parti en mammouth, en crocodile Dundee, Rachida. Je devais. Et en fait, compte, elle a bougé, je l'ai pu retrouver, j'avais pas de téléphone, ce qui veut dire, bah, je l'ai zappé. Et en fait, quand je monte, je cherche l'argent, je descends, la porte. En vrai, en gros, cette meuf-là, c'est comme si je te dis, c'est ma meuf de Thaïlande. C'était ma régulière de Thaïlande. Tu vois. Même elle m'aimait bien, tout. C'est-à-dire, c'est pas une, je la paye. C'est-à-dire, elle est là, elle est avec moi, tout. Elle a son argent, elle est avec moi. En plus, ces genres de meufs, elles sont fières, genre, comment ça, tu me payes, tu m'as pris pour qui, et tout, tu vois. Ce qui veut dire que moi, la porte, elle s'ouvre, je sors pour aller au lobby. Et la femme me dit, ah, t'es là? Elle me fait un câlin, frérot. Et moi, je vois le lobby là-bas. Il y a les deux meufs là-bas. Dont la meuf que je suis en train de négocier. Et je me dis, je fais quoi, frérot? Et je la vois, je dis, ça va? Je dis, attends, viens, je sais pas quoi, attends, le lobby, l'accueil, le gars de l'accueil m'emmerde. Je la ramène derrière, les autres, elles sont trucs. Ce que je fais, c'est que je parle avec elle. Je dis, mais je vais bouger, moi, je dois bouger. Je vais remonter à. Je vais remonter à Bangkok, j'ai pas le temps de truc. Ouais, mais tu fais quoi? Je voulais t'inviter à prendre le petit déj, je suis venu, t'es délire, tu m'as dit je viens, tu viens pas, là là. Et entre-temps, qu'est-ce qu'elles font les deux autres meufs? Elles m'attendent, elles voient que j'arrive pas, elles vont chez le réceptionniste, je sais pas si elles ont réussi à s'esquiver, elles prennent la. Non, mon frère, il descend pour prendre le petit déj. Il descend pour prendre le petit déj. Et elles me disent, ouais, ton frère, il nous a dit, il vient, il se fout de notre gueule, on est en train d'attendre et tout, vas-y, il est où? Je sais pas, moi je crois qu'il était descendu et lui c'est pas, donc il paye le réceptionniste pour les faire monter, ils les montent dans la chambre, moi je vois qu'elles sont plus là, je tire la meuf, elle me tire de force jusqu'à chez elle. Et en fait c'est vraiment une meuf, une Thaï qui te ramène chez elle, c'est un truc fou. Demande aux gens qui vont en Thaïlande, une Thaï, surtout si c'est une meuf que tu payes, elle va pas te ramener chez elle. Elle va, toi tu vas la ramener chez toi, tu vois, il y a ce truc-là. Et en fait elle, le symbole, symboliquement, je te ramène chez moi pour prendre le petit déj. Je te prépare le petit déj. Ça voulait dire, genre, voilà, je te dis que je t'aime bien quand même. C'est pas de la rigolade, tu vois. Et je dis, mais je peux pas. Elle commence à pleurer. Elle me dit, tu te fous de ma gueule. Tu m'as fait un plan. Là, là, là. Je dis, mais c'est pas ma meuf. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ma meuf, mais elle croit que c'est ma meuf. Référence impossible, vous la trouvez. Elle me ramène, je dis vas-y, je viens vite fait, mais juste le temps de boire le café, je bouge, mes potes ils m'attendent, là là là. En fin de compte, mon frère il a des trucs, il s'embrouille avec les meufs, il les jette dehors. Moi je monte à la part de choses, je marche jusqu'à chez elle, je commence à être chaos technique avec le stress. Bam, je pars, elle me dit, oh, mais quand tu reviens, si tu veux, je te ramène voir ma famille. Elle me met dans une pression, je dis, oh, mais je dis, calme-toi, je dis, moi je suis un touriste, moi je retourne en France, c'est pas comme si j'allais venir, j'allais investir ici. Bref, ouais, elle m'aimait, la vérité, c'est pas exceptionnel, mais c'est à préciser parce que c'est pas les. On ne parle pas de ce genre de détails quand on parle de ce genre de pays, tu vois. Un truc de fou. Et donc, moi, je reviens pour chercher les meufs et je les trouve pas. Et elles pètent les plombs, elles s'embrouillent avec mon frère parce que mon frère leur dit, écoutez, il n'est pas là, il n'est pas là, cassez-vous, nous, on est en train de préparer nos affaires. Elle voulait me tirer. Et pareil, pour rentrer, je les croise dans le hall de l'hôtel et l'autre, Rachida, elle pète les plombs, elle me dit, t'as allé voir une meuf. Et l'autre, elle ne parle pas, la meuf que je moyennais. Quand elle s'appelait. Elle parle pas, tu vois, Et l'autre, elle commence à m'insulter. Tu crois on est qui, nous? On n'est pas tes copines. Non, tu crois c'est tes copines, les putes. Je dis, calme-toi. Je dis, oh, j'ai un problème. Non, si, c'est sûr, là, t'es parti avec une meuf et tout. Et l'autre, elle commence à avoir les crises. Je dis, vas-y, tranquille, casse-toi, bouge avec moi. L'autre, elle a les crises, là, là, là. Donc l'autre, je la laisse en train de pleurer chez elle. L'autre, elle me fait un speech, elle m'affiche dans le hall de truc. Je dis, c'est quoi, casse-toi, je commence à t'insulter. Elle bouge. J'ai rentré truc, mon frère il me fait un headspot, il me dit, tu te fous de la gueule du monde, on s'est dit on rentre tôt parce qu'on est en train de préparer nos affaires, on a tous préparé nos valises sauf toi. Je me pose, c'est quoi, je veux parler avec personne, j'ai posé ma tête, il m'a réveillé 2 heures après, il m'a dit c'est quoi là, le gars il a tapé, faut bouger de l'hôtel. Bref, cabossé, mal au ventre, plié en quatre, j'arrive dans le truc. Et c'est parti, on arrive dans l'avion, tu vois. Et mais en fait, t'es un vrai Ben Stiller, toi. Et c'est de là l'histoire de Ben Stiller. Je dis, mais là, il m'arrive que des trucs fous dans ma vie. Et en fait, ça, c'est typiquement, dès que j'ai des histoires avec des meufs, je veux commencer à jouer. Il m'arrivait systématiquement des merdes comme ça. Et voilà, l'histoire de Ben Stiller. On n'est pas. Elle m'a dit, on n'est pas tes copines, les putains. Lui, Noisé Cardona, bonsoir à toi, merci d'être avec nous.
Merci de nous avoir rejoints en cette fin de live, un peu fatigué, mais où on s'est bien amusé encore une fois. Non, mais j'aime bien ces lives-là qui se déroulent un peu sans encombre, tu vois. On a commencé, on a fait du Red Dead, on a plutôt bien réussi ce qu'on voulait faire. Le personnage a progressé, on a récupéré ce qu'on avait récupéré, on a eu nos cartes de compétences, on a validé nos missions, etc. Et à la fin, une petite, tu vois, une petite digression, une petite histoire, histoire de... Non, mais... J'ai plein d'histoires. Un de ces quatre, vous me ferez penser. Je me suis retrouvé dans une formation de. Je sais plus c'était quoi. C'était une formation de commerce. Et bizarrement, il y avait que des. Les gars dans mon truc, c'était que des gars de patelin éclatés. Ou deux, trois cassos que je connaissais vite fait, tu vois. Et en fait, je me suis retrouvé, ça va. C'était plus ou moins moi, le gars équilibré, tu vois. Et j'ai voulu jouer sur deux tableaux avec deux meufs qui s'étaient rencontrées à la formation, mais qui traînaient ensemble à la formation. Je vous raconterai à l'occasion comment ça s'est fini. Histoire 2. Je suis sur la béquille, frère. La béquille, elle voulait pas casser la béquille, tu vois. Mais bon. Mais ça, quoi, EXE, ce serait pourquoi pas intéressant sur Twitch. Parce que moi, j'ai déjà pensé à des trucs, mater des bandes-annonces de films ou faire des trucs qui nous rappelleraient à des histoires, des anecdotes. Et on se raconterait nos trucs, tu vois. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, voilà, écoutez. Non, même pas, Eversy. Même pas. Moi, j'ai le message. Je sais pas si tu vas te le faire modérer ou pas, mais même pas... Si vous avez écouté le début de l'histoire, moi, ce que j'aime bien dans une relation, c'est cette découverte. C'est comme dans les jeux vidéo, en fait. C'est cette découverte, ce suspense, ce stress de pas savoir comment aborder la personne, comment lui parler. Elle aime quoi, elle aime pas quoi, qu'est-ce qui lui plaît chez moi, est-ce que je lui plais seulement, qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire, pourquoi elle me plaît. Tu vois, ce truc-là, un peu de mystère du début d'une relation, quand tu rencontres quelqu'un, c'est le truc que je kiffe en vérité, tu vois. Après, tu le sais, un couple qui va monter comme ça, le coup de foudre, comme on n'a moi jamais eu de coup de foudre, mais tu vois, le coup de foudre, les gens, oh, on s'est aimé à mort d'un coup. Généralement, le couple ne peut pas monter plus haut. Donc, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, ça fait quoi? Ben, il reste de l'amour, mais ça peut que baisser ou au mieux stagner, tu vois. Pour le coup, non, moi, j'aime bien ce truc-là de découverte où ça monte un peu crescendo, etc. Les contes de la crypte. C'est des ouf. Bref, écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. J'ai préparé mon écran de fin parce que je ne sais même plus c'est quoi la touche. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont fait le show dans le chat. Voilà, on vous connaît, on vous reconnaît. Je vous ai repéré, les gars. Pour le coup, voilà, merci parce que l'air de rien, ben. J'essaye de faire la conversation, j'essaye de montrer du jeu, mais un stream, il vit aussi beaucoup par le chat, et c'est vrai que j'aime la chasse, j'aime bien. Mais l'air de rien, un stream, il vit aussi beaucoup par son chat, tu vois. Un gars, un streamer, il est là, il peut jouer autant qu'il veut. S'il n'y a pas d'interaction avec le chat, il n'y a rien. Et c'est ceux qui sont dans le truc. C'est pour ça que je vous remercie à chaque fois. Je ne vous remercie pas comme je le devrais forcément. Mais pour le coup, j'ai une notif. Mais là, les notifs, elles sont cachées par le truc. Faut que je les déplace, les notifs. J'oublie de le faire à chaque fois. Je suis désolé, j'ai une notif. Je suis désolé, j'ai même pas vu ce que c'était. Vous m'excuserez. Quoi qu'il en soit. Voilà, merci pour le délire. Je vais aller, j'ai une envie de pissou de fou. Donc, je vais arrêter de gigoter. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, un excellent week-end. Évidemment, merci encore à tous ceux qui étaient là. Merci à tous ceux qui ont rejoint le gang. Merci beaucoup pour votre confiance. L'air de rien, c'est très, très important à mon niveau. Donc, encore une fois, excellent week-end. Portez-vous bien. On se retrouve très, très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, faites attention à vous. Je vous dis bien évidemment, à plus les bandits.